Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Merci pour tous nos invités. Bonsoir madame. Bonsoir au public. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Leur évocation suffit à faire trembler tous ceux qui en sont sortis. Synonyme de manipulation, synonyme d'abus, d'escroquerie, les sectes changent souvent de visage et sont toujours d'actualité. Vous vous souvenez de ce fait divers qui a marqué l'été dernier, l'été 2007. Le 9 août dernier, sur l'île de la Réunion, Alexandre, un jeune homme de 12 ans, était enlevé par un gourou illuminé, fondateur de la secte Cœur douloureux et immaculé. Il doit son salut à l'intervention rapide de la gendarmerie que nous avons tous salué. Mais tous n'ont pas eu cette chance. En France, il y aurait plus de 500 000 adeptes. Nos invités ce soir savent de quoi je parle. Ils ont été soit envoûtés par un gourou, ils ont soit vécu la manipulation dans leur chair et leurs proches ont cru les perdre à jamais. Les nouvelles sectes se présentent sous des aspects qui évoluent sans cesse, qui bougent sans cesse. Médecine nouvelle, psychologie, spiritualité. Leurs méthodes de recrutement sont plus sournoises qu'autrefois, mais elles ont toujours la même finalité. Endoctriner, manipuler, couper du monde, abuser et puis bien souvent aussi escroquer. Où se cachent ces nouvelles sectes? Comment recrutent-elles? Pouvons-nous tous être manipulés un jour? A l'inverse, est-ce qu'il existe aussi une paranoïa anti-secte, parfois injustifiée? Tous les mouvements spirituels ne sont pas tous des sectes. Voici notre sommaire en images. Ce soir, dans Ça se discute, des gourous, des âmes perdues tout juste sorties de l'enfer, des anciens adeptes qui se battent, des stars endoctrinées et même des adeptes heureux. Méfiance, derrière les blouses blanches se cachent de nouveaux gourous. Maryse a perdu son mari, atteint d'un cancer pourtant sans gravité, persuadée par un pseudo-médecin qu'il s'auto-guérirait. Il a refusé de se soigner parce qu'il a été endoctriné. Il a abrégé sa vie au moins de 10 ans. Floria a été happée dans la spirale infernale d'une secte d'évangélistes extrémistes. S'il m'avait demandé de me suicider, je l'aurais fait. Pour moi, ma fille était morte. Ses parents sont impuissants jusqu'au jour où l'impensable se produit. Tom Cruise, Madonna, John Travolta. Les stars sont les cibles favorites des sectes les plus puissantes du monde. Objectif, en faire de véritables publicités vivantes. Je crois que ces célébrités sont, en vérité, des adeptes exactement comme les autres, c'est-à-dire totalement manipulés. Antoine est né dans une communauté religieuse ultra-traditionnaliste. À 22 ans, il s'échappe. Aujourd'hui, encore traumatisé, il se bat pour faire sortir sa fille. Le plus dur, c'est ça, c'est d'être obligé de faire le deuil de quelqu'un qui est encore en vie. Réussira-t-il à revoir Mirabelle? Non, ça va, je me sens malheureuse. Les Radhadesh, des adorateurs de Krishna, ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Rencontre avec Bhatka Patrick, un adepte privé de tous les plaisirs terrestres, mais au nirvana. J'avais entendu parler d'un zodiaque cosmique qui fait 25 000 ans. Enfin. Folklore, manipulation mentale, nouvelle méthode de recrutement. Où est vraiment le danger? Où se cachent les sectes? Sommes-nous tous à leur merci? Oui, voilà pour la présentation de cette émission. C'est une émission sous tension que nous vous présentons ce soir. Il y a quelques minutes, juste avant le début de cette émission, on a dû demander à certaines personnes de sortir, des personnes qui voulaient manipuler cette émission. Pour autant, on va essayer d'en faire l'émission la plus libre possible, avec beaucoup de témoignages, mais sans caricature, sans dire que tous les mouvements spirituels sont pour autant des mouvements à dérive sectaire. Je vous présente les principaux témoins de cette émission. Femmes d'une même famille, deux femmes, on peut dire deux femmes, Floria. Oui. Une jeune femme et sa maman, Patricia, mère et fille. Floria, vous avez 22 ans, vous en aviez seulement 19, donc il y a 3 ans, lorsque vous êtes tombée sous le charme d'un groupe d'arts martiaux japonais. Alors vous êtes très attirée par le Japon, comme oui. Ça peut arriver, et vous les avez croisés dans un festival en France. Oui, en France, oui. Qui se cachait derrière ce groupe d'arts martiaux, ce que vous avez appris plus tard Certains membres faisaient partie d'une secte extrémiste religieuse. Vous avez eu peur pour votre fille, madame? Oui, beaucoup. Je pensais la perdre. De toute façon, dès qu'on a su que Floria était dans une secte, on s'est dit, on est impuissant. Vous avez l'air heureuse, Floria, en tout cas aujourd'hui. Beaucoup pas illuminée. Plus. Non, plus du tout. Les pieds sur terre. Bonsoir Catherine, bienvenue parmi nous. Alors vous aussi, vous avez été happée, alors très jeune, par un mouvement sectaire connu pour ses dérives sexuelles, Catherine. Oui. Vous étiez très jeune à l'époque. Oui, j'avais 12 ans. 12 ans. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez suivi vos parents là-bas? J'ai suivi ma maman. Mon père est décédé quand j'avais 8 ans et j'ai suivi ma mère. Comment vous avez été embrigadée si jeune?
C'est un jeune homme qui s'est présenté comme missionnaire et qui faisait du porte-à-porte et qui a adopté une certaine technique avec ma mère. C'est-à-dire ? Pour l'approcher. Ça s'appelait le flirty fishing. C'était une sorte de prostitution amoureuse. En fait, c'est attirer quelqu'un dans ce groupe-là par le biais de la sexualité. Et c'est ce qu'il a fait. À partir de quel âge j'avais commencé à coucher avec des adeptes ? À 12 ans, j'ai subi des attouchements, mais comme je n'étais pas très conciliante et que j'ai pris l'excuse que je n'avais pas mes règles, que je n'étais pas pubère, j'ai été tranquille 2 ans jusqu'à ce que j'ai mes règles. Donc ça veut dire qu'à 14 ans, les choses se sont faites. Oui. Bonsoir Antoine, vous êtes né, alors vous êtes entré encore plus jeune que Catherine, puisque vous êtes né, vous, dans un univers fermé, une communauté très stricte. C'est autour de 20 ans que vous avez commencé à avoir un regard un peu particulier sur ce que vous connaissiez comme seul endroit au monde pendant 20 ans, en fait. Tout à fait. C'est vers l'âge de 16 ans que j'ai commencé à découvrir le monde extérieur. Et puis par le travail, après, vers 20 ans, comme vous avez dit. Vous n'aviez pas le droit à la télé ? Ben, on avait droit ni à la télé, ni à la radio, ni à l'information, ni à l'informatique. Le journal, seulement 7 minutes debout, et pas les pages sportives, parce que ça peut vous détourner. On n'a pas le droit de boire et de manger avec ceux qui ne font pas partie de cette communauté. Donc c'est vraiment un cercle très très fermé. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui m'a frappé, on verra le reportage tout à l'heure, c'est de voir à quel point vous vous battez aujourd'hui pour récupérer votre fille qui est retournée, qui était sortie à l'âge de 14 ans et qui vient d'y retourner il y a environ 6 mois. En vous laissant un mot qui disait quoi ? En laissant un mot qui disait « je retourne vers le vrai amour, vers l'amour pur ». Sylvie est également notre invitée. Oui. Bonjour Sylvie, j'espère Bonjour. Que vous êtes en confiance aujourd'hui. Vous avez été victime d'un manipulateur. En fait, vous êtes allé voir quelqu'un, et on va voir quelqu'un tout à fait respectable, qui vous a envoyé vers une autre personne qui était spécialiste de guérison des maladies psychosomatiques. Tout à fait. Je ne sais pas, docteur, c'est la tête. Voilà. Qui vous a conseillé d'aller voir cet homme ? C'était mon médecin traitant de l'époque. Médecin généraliste ? Oui, qui m'a conseillé d'aller le voir en me disant que c'était quelqu'un de très bien. Qui était complice ? Non, elle n'est pas complice. Elle ne savait pas. Non, elle ne savait pas du tout. On verra jusqu'où cet homme a abusé de vous. Mmh. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Après des années passées dans deux sectes différentes, vous en avez quitté une, vous êtes entré dans une deuxième. La récidivée, quoi. Qui, dans votre famille, fait toujours partie de cette deuxième secte dans laquelle vous êtes ? J'ai 14 membres de ma famille. 14 ? 14. C'est-à-dire ? Parents, oui, des parents. J'ai des oncles, j'ai mon frère, ma belle-sœur. Voilà. Qui les a fait entrer dans cette secte ? Ben moi. Vous. Françoise est aussi notre invitée. Bonsoir Françoise. Votre fille est victime d'une nouvelle forme de manipulation très inquiétante qu'on appelle les faux souvenirs induits. Un jour, en fait, votre fille vous a convoqué, vous et votre mari, c'est une grande fille déjà, qui avait la quarantaine. Elle vous a convoqué, comme disent les policiers, à une confrontation, comme disent les gens de justice, comme elle l'a dit elle-même. Qu'est-ce qu'elle voulait vous annoncer ce jour-là ? Eh bien, ce jour-là, elle nous a annoncé avec beaucoup de rage, d'agressivité, que son père était incestueux, pédophile, que nous avions abusé tous les deux, tous nos enfants, et que nous organisions des partous et quoi encore. Ah oui, que je faisais de la gérontophilie. Vous ? Oui, moi. Donc vous et votre mari accusés d'un seul coup, vous nous direz comment vous avez réagi, votre mari est également avec nous ce soir. Enfin, Claude, ce n'est pas une fille, bonsoir Claude, mais deux filles que vous avez perdues. La première ayant entraîné la seconde, la première est devenue une meneuse dans des mouvements qu'on ne peut pas citer pour des raisons légales aujourd'hui. Et vous avez tenté, voyant que vous perdiez la grande, de ramener votre seconde fille à la réalité. Oui. Vous êtes opposée à son mariage. Pourquoi ? Voilà, c'est culotté de la part d'une maman quand même. Disons que c'est ce mouvement qui les poussait à se marier pour ne pas vivre dans le péché. Donc j'ai fait une opposition au mariage par voie d'huissier pensant que... qu'elle allait réagir. Voilà, je pensais qu'elle allait réagir. Et bon, j'ai été condamnée moi-même pour une opposition abusive et c'est moi qui ai dû payer des dommages et intérêts. Sas Escute ne serait pas Sas Escute sans un grand témoin. Ce soir avec nous, un réalisateur que nous apprécions tous pour ses différents films, mais aussi l'auteur d'un document sur l'ordre du Temple solaire, une secte où des adeptes se sont suicidés collectivement à différentes reprises en 94 et en 97. Je demande d'accueillir Yves Boisset qui est avec nous. Bonsoir Yves. Est-ce que vous êtes un témoin objectif ? Est-ce que vous restez un témoin objectif sur un sujet comme celui-ci après le documentaire que vous avez réalisé ? Objectif, sûrement pas. Mais honnête, oui, certainement. Parce qu'on ne peut pas rester
complètement extérieur quand on aborde ce genre de problème. Et je crois que la manipulation, dans tous les sens d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les sectes, on vit dans une société où on est manipulé quotidiennement dans tous les sens. Et les sectes, évidemment, sur un terreau fragile, sur des personnes déjà fragiles, peuvent faire un mal effrayant. Alors souvent fragilisés, mais pas toujours. Vous allez le voir, il y a des surprises dans cette émission à travers les témoignages de nos invités. Je pense qu'on va être pas mal surpris de voir comment ça peut se passer. Mais je voudrais qu'on démarre tout de suite cette émission avec le témoignage de Maryse, qui est avec nous, qui est un peu notre témoin principal, avec une histoire que vous vivez, qui est madame au cœur de l'actualité, puisque votre mari est mort il y a à peine quelques mois et que vous venez de lancer une procédure contre celui que vous accusez d'avoir accéléré la maladie de votre mari. Sa maladie était bien là, mais indirectement ou directement, la justice le dira, votre mari a été arrêté ou stoppé dans son idée de recourir à des soins médicaux nécessaires. C'est un ex-médecin devenu gourou qui est à la base de cet acte. De quelle maladie est décédé votre mari ? Il est mort d'un cancer de la prostate métastasé, c'est-à-dire généralisé. Cancer aux os. Donc ça a mis plusieurs années à se développer. Oui. Quand le diagnostic a été posé sur votre mari, est-ce que la médecine pouvait encore quelque en chose ? Oui, en 2001, oui. Que disaient les médecins ? Qu'il pouvait être sauvé, bien sûr. Il n'a pas suivi ses séances de radiothérapie. Il n'a pas voulu ni faire de biopsie. Sous l'emprise de ce gourou, comment il pensait pouvoir guérir de cette maladie ? Eh bien, c'est une histoire de conflit. C'est-à-dire, vous avez un problème avec votre femme, Par exemple, ça va déclencher un conflit. Ce conflit va lui déclencher une maladie. Un cancer bien précis. Et le gourou dit qu'au lieu de guérir la maladie, on doit guérir le conflit en question. On doit régler son conflit. Voilà. On va regarder ce reportage. Je pense qu'on en saura beaucoup plus. Oui. Quand on est malade, alors là, pour le coup, fragilisé, Yves, quand on apprend qu'on a un cancer de la prostate, quand on est affaibli moralement, quand on est affaibli physiquement aussi, on peut devenir une proie facile. Alors parfois, on croit frapper à la porte d'un médecin, et on entre chez quelqu'un qu'on appelle aujourd'hui un gourou. C'est ce qui est arrivé donc à votre mari, Maryse, mais aussi à beaucoup d'autres personnes. Nous avons enquêté sur ce qu'on peut appeler les gourous en blouse blanche, ceux qui jouent avec la vie de leurs patients. C'est un reportage de Frédéric Audran et de Sophie Macquart. Il prescrivait des plantes naturelles et des injections d'eau de mer pour guérir les cancers, conseillait l'arrêt de la chimiothérapie. Evelyne était l'une de ses patientes. Atteinte d'un cancer du sein, elle meurt en 1997, ses prescriptions se révélant totalement inefficaces. C'était cet été, le procès retentissant d'un docteur membre d'une secte qui bouscule le milieu des médecines parallèles. Méfiance. Derrière certaines blouses blanches, un nouveau danger guette les malades en quête d'espoir. Les sectes utilisent de plus en plus la médecine pour étendre leur influence. Le thérapeute donne son savoir, donne l'information, et c'est le patient qui s'autorise lui-même. Le destin a mis l'un de ses gourous sur le chemin de Maryse et de son mari. Ça, c'est ses premiers petits-enfants. Ouais, il était très malade, là. Il était très mal. Ouais. Il ne pouvait plus tenir assis. Bien sûr, il avait des chances de vivre. Il a abrégé sa vie au moins de 10 ans. Il est mort. La veille, il est mort. L'avant-veille, il m'a dit, j'ai été trompée. Tu avais raison. Tu étais mon ange gardien, je ne l'ai pas vu. Claude, l'époux de Maryse, est mort il y a quelques mois d'un cancer généralisé. Pourtant, il y a 6 ans, lorsque son médecin découvre sa tumeur à la prostate, il se montre rassurant. La tumeur est petite et une chimiothérapie peut la soigner. Mais étrangement, Claude refuse tout traitement. Il est persuadé qu'il peut guérir par la seule force de son mental. Il a refusé de se soigner parce qu'il a été endoctriné par une méthode qui, soi-disant, guérit le cancer, le sida, la sclérose en plaques. Sida, sclérose en plaques, des maladies graves souvent incurables et un fonds de commerce juteux pour ces nouveaux gourous. Heureusement, face à ce drame, Maryse est restée entourée de ses 3 filles, hélas impuissantes. Elles ont pourtant tout fait pour éviter que leur père ne se laisse enrôler. Ça fait déjà 5 mois. Déjà. On n'a pas arrêté de l'influencer pour qu'il se soigne et qu'il aille faire les examens qui étaient nécessaires. Et
Il n'a jamais accepté. Il a dit, je me soigne à ma manière. Et papa était persuadé, puisqu'il avait des tas de gens autour de lui qui étaient là-dedans, qu'il y avait des résultats. Maryse a gardé les cassettes audio que son mari achetait au pseudo-médecin. Il les écoutait en boucle, cela faisait partie du traitement. Dans son discours, le guérisseur assure qu'il obtient des résultats miraculeux. Cette femme qui avait eu un cancer de 6 cm dans la parotide est arrivée avant tout traitement avec son cancer. Voilà ce que j'ai, docteur, j'ai entendu parler de vous. Qu'est-ce que je fais? Et je lui explique, c'est que là, c'est de la merde, ton cancer, c'est en rhume. Tu peux te programmer comme rien du tout. Alors, celle-là, elle a guéri, elle avait 27 métastases osseuses. Guérir d'un cancer comme d'un rhume. Bien des promesses, mais où sont donc les preuves? Il me disait, ton père, ils ont des témoignages. J'ai dit, tu les as les témoignages, le dossier complet de la malade, du malade ou de la malade, avec la maladie, les examens, le résultat, est-ce que tu les as entre les mains? Il m'a dit, ah ça c'est plus difficile à avoir. J'ai dit, tu trouves pas ça bizarre? C'était l'année dernière, mais la méthode continue à séduire. Cet été, il y a tout juste un mois, une conférence est organisée à Paris, dans une université prestigieuse. Dans la salle, des médecins, des ostéopathes, des pharmaciens, tous attirés par ce traitement thérapeutique d'un nouveau genre, une sorte de traitement par la force de l'esprit. Toutes ces femmes-là avaient des cancers du sein. Certaines avaient des métastases. Elles ont guéri. C'est bien une méthode d'un genre nouveau que ce monsieur propose à son auditoire. Les 5000 élèves que j'ai à la surface de la planète, chaque jour, ils ont des gens qui guérissent dans leur cabinet. Et plusieurs, parfois par jour. Et la plupart du temps, pour les maladies, en principe, elles sont graves. Nous avons montré ces images à Madame Chalmot, spécialiste des dérives sectaires au ministère de l'Intérieur. Pour elle, il n'y a aucun doute. On est là dans une démarche de guérisseur avec des pouvoirs phénoménaux, finalement. Moi, je ne me suis intéressée qu'à une seule chose, la déprogrammation biologique. Toutes les maladies sont des programmes biologiques. Les guérisons, ça va être la déprogrammation biologique. Déprogrammation biologique, un mot pompeux derrière lequel se cachent des théories plus que douteuses pour le corps médical classique. Selon lui, toute maladie serait causée par un stress. Exemple, le cancer du foie serait dû à la peur de mourir. Si l'origine du stress est soignée par un psychothérapeute, la maladie disparaîtrait. Le thérapeute donne son savoir, donne l'information, et c'est le patient qui s'auto-guérit lui-même. Jouer sur la corde sensible des malades, miser sur la tentation des familles de croire à une méthode nouvelle. Pourtant, cet homme semble irréprochable, il ne s'aventure jamais à aller contre la médecine conventionnelle. Il faut continuer ses traitements tant qu'on en a besoin, même avant de se soigner. Ces nouveaux thérapeutes se montrent aujourd'hui beaucoup plus prudents. Et dans le colloque, on ne vous dit pas arrêtez vos traitements conventionnels, on vous dit il faut les poursuivre. Mais en tout cas, la guérison ne viendra pas des traitements conventionnels, la guérison viendra de l'autre méthode. Et c'est là le danger, Claude n'a jamais guéri. Maryse est résignée, mais veut parler pour éviter que d'autres se fassent piéger. C'est dur. Heureusement, j'ai mes enfants. Et mes petits-enfants, mais c'est un peu comme si je n'avais pas vraiment réalisé qu'il n'était plus là. Moi, j'ai fait un procès, mais je sais que ça va faire un boom. Mais ça m'est égal. J'ai plus peur de rien. De rien. Et puis applaudir le courage de cette femme. Vous avez perdu votre mari il y a combien de temps, madame? Il est mort le 17 février. Vous me direz dans quelques instants ce qu'il vous a dit juste avant de quitter cette terre. Catherine Katz, qui est secrétaire générale de la Miviludes, nous a rejoint. Sur ces fauteuils rouges, nous aurons des avis complémentaires, pas toujours en accord avec ceux de nos invités, mais nous aurons aussi quelques éclairages tout à fait objectifs. C'est le cas de celui de Catherine. C'est vrai que quand on évoque une secte, on ne pense pas à un milieu aussi dilué, on ne pense pas à des gens qui se réclament à moitié de la médecine, à moitié d'autre chose. On pense à un système pyramidal avec en haut de la pyramide un gourou. Vous connaissez ce mouvement? Ce qui caractérise la dérive sectaire dans le cadre justement des dérives médicales, c'est le fait
que, un, le patient est mis sous l'emprise de son thérapeute. Que prenait-il comme médicament sous l'emprise de ce gourou ou comme... Il ne lui donnait pas de médicaments, ce médecin-là. Il l'a endoctriné et manipulé avec des cassettes. Audio, des textes. Audio. Mais qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait des graines de... Alors, au début, quand il a appris qu'il avait un adénome, il achetait des graines de courge. Il prenait toutes ces médecines douces qui ne sont pas, disons, agressives pour l'organisme. Il mangeait des fruits rouges, des tomates, des légumes. Voilà, il faisait tout ça. Vous avez essayé, Maryse, de mettre votre mari en garde? Oui. Oui, oui. Mais ça, votre mari ne pouvait pas l'entendre de votre bouche, de la bouche de sa femme? Non, parce qu'il me disait que je n'avais pas la connaissance. Et au fur et à mesure qu'il écoutait ses cassettes, toute la journée, qu'il les faisait écouter à vos enfants? Oui, et puis mes enfants, j'ai eu une de mes filles qui a été marquée, endoctrinée, manipulée sans qu'elle le veuille, parce qu'il les faisait écouter dans sa voiture. Donc, pendant que vous ne voyez pas, pendant que vous ne pouvez pas intervenir, ça voulait dire pendant que la maman ne pouvait pas veiller sur sa portée. Elle cherchait les conflits. Elle cherchait les fameux conflits dont vous parlez tout à l'heure. Le conflit qu'elle avait pu avoir pour avoir ce mal de gorge, par exemple, ou une maladie. C'est toujours agréable de trouver des gens qui nous donnent des réponses à tout. Hein. Oui, en attendant, oui. Votre mari ne suivait pas son traitement? Non, je me soigne. Quand on voit son mari mourir sous ses yeux, petit à petit. C'est abominable. Mais on peut rien faire? J'ai tout essayé, monsieur. Ça fait 10 ans que je lutte. 10 ans. À quel moment a-t-il ouvert les yeux sur ce qui lui arrivait? À la fin. C'est quand il a dit « je vais mourir ». Combien de jours avant de mourir? Un mois avant. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ce jour-là? Tu avais raison, ma chérie. Ce sont des escrocs. Ils m'ont bien eu. Alors avec nous aussi ce soir, sur ces fauteuils rouges, je vous le disais il y a quelques instants, nous recevrons des personnes qui ne sont pas en accord avec ceux qui viennent apporter leur témoignage et qui viennent apporter un éclairage différent. Je vous demande d'accueillir Baudouin Labric, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Labric. Monsieur Labric est psychothérapeute. Bonjour, enchanté, je ne vous ai pas rencontré avant l'émission, asseyez-vous. Je vous en prie. Madame Cat. Si je dis que vous êtes l'un des disciples du médecin qui a traité le mari de Maryse. Je ne parlerai pas de disciples, je parlerai d'élèves qui ont suivi ces formations. Vous avez suivi ces formations? J'ai suivi ces formations il y a une quinzaine d'années à Paris. Mais... Qu'est-ce que vous en avez gardé dans l'exercice de cette profession et quel traitement différent vous proposez à ceux qui viennent vous voir? Moi, j'ai des patients qui viennent me voir parce que la plupart du temps, ils sont persuadés que leur malaise, leur mal-être, dépression, maladie... Oui, leur maladie aussi, hein. ...ont une origine psychologique ou psychique. Alors, quel type de malade, par exemple, pour prendre les maladies les plus graves? Dépression, ça c'est souvent le cas, les dépressions. Un couple stérile, vous nous avez dit en préparant cette émission aussi. Vous nous avez dit également, Baudouin, vous m'arrêtez si je me trompe, par rapport à ce que vous nous avez dit, mais je pense qu'on va être en rapport l'un et l'autre. Maladie de Parkinson également, ça vous est déjà arrivé? Oui, c'est-à-dire que j'ai eu récemment une personne vient me voir parce qu'elle est persuadée que son Parkinson a une origine psychologique. Et donc, moi, je pars de cela. Et vous pensez qu'il est possible de traiter quelqu'un avec des arguments psychologiques sur une maladie comme celle-là? Je vous demande juste votre avis. Ben, oui, mais je crois qu'il est important peut-être de situer l'histoire de la psychosomatique. En fait... S'il vous plaît, je voudrais qu'on évite cette théorie parce qu'on va tous s'y perdre. Je crois que les gens connaissent bien maintenant ce que veut dire psychosomatique, ce que veut dire somatiser, ce qu'est un psychothérapeute par rapport à un psychiatre aussi. Je crois qu'on a toutes ces informations-là. Ce que je voudrais juste essayer de comprendre, c'est avec vos techniques verbales, d'échange, techniques pour régler des conflits aussi comme... Alors, le patient vient... Par exemple, cette dame, j'ai une dame qui est venue pour la maladie de Parkinson et elle avait fait une collection de thérapeutes, dont le thérapeute que nous avons neurologues, vu en caméra cachée, donc des médecins. Oui, mais est-ce qu'elle a vu d'autres médecins avant cela? Vu d'autres médecins, des vrais, des neurologues en hôpital? Exactement, de tout. Et alors, elle a une liste devant elle, elle me dit un tel médecin m'a dit que c'était ça, un tel autre m'a dit que c'était ça. Elle me dit, et vous, monsieur Labric, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je lui dis, vous, madame, c'est quoi pour vous la maladie de Parkinson? Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? On ne me l'a jamais demandé. Et c'est ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est qu'en fait... On ne l'a jamais demandé à elle? Oui, ce qu'elle pensait de sa maladie. À ce qu'elle en pensait? Évidemment. C'est le patient qui va vous dire... On est obligé en psychothérapie de partir de ce que le patient raconte. D'accord. Une fois qu'elle vous a dit comment elle percevait sa maladie, comment vous participez au traitement pour essayer d'enrayer la maladie? Il n'y a pas de traitement. Vous n'essayez pas de la soigner? Je n'ai pas le droit...
de dire ce qu'elle doit faire. Mais vous essayez quand même de faire en sorte qu'elle aille mieux. Je vais verbaliser et la personne explique ce qu'elle a ressenti. D'accord, mais le but, c'est se soulager ou c'est quand même essayer de se guérir? Le but, c'est qu'elle se guérisse. Elle-même. Elle-même. À travers les échanges verbaux. À travers l'expression des ressentis qu'elle a eus par rapport à un événement à partir duquel, après lequel, elle est tombée, par exemple, malade. Ça veut dire que cette dame qui avait Parkinson, elle a été guérie? Elle s'est guérie, certificat médical à l'appui. De la maladie puisque dans le dernier certificat, le médecin a mis l'hypothétique Parkinson. Ah, peut-être qu'elle ne l'avait pas, Parkinson, alors c'est encore une autre histoire. Ah, non, non, mais je vais demander à Sylvie quel est son avis. Catherine, excusez-moi. Vous parlez de somatisation, d'accord, mais il faut séparer la somatisation de la guérison. Je veux dire, le problème de toutes ces nouvelles thérapies-là, c'est qu'elles prônent la guérison et elles demandent... Enfin, les thérapeutes demandent en parallèle que le patient arrête ses traitements. Non, pas les thérapeutes dignes de ce nom, madame. Alors, cela arrive. Quoi ça vous arrive. Donnez l'énergie nécessaire ça arrive, de guérir. Là, je suis d'accord avec vous, c'est une dérive. Parce que la liberté du choix thérapeutique, dérive, c'est le patient. Et on n'a pas à intervenir. Oui, mais vous l'influencez. On n'a pas à faire le, à un de prêt... Non, donné, madame. Vous lui oui, mais on ne peut pas faire ça. Alors, ne jetons pas l'enfant avec l'eau du bain, madame. Non, il est important de voir qu'il y a des gens. Qui non, se non, le d'une problème manière, de toutes ces thérapies-là, monsieur, c'est qu'elles finissent par culpabiliser les gens. C'est-à-dire que les gens-là, ils sont tombés malades. Madame, ne faites pas de généralité. Est-ce que vous avez vous-même bénéficié d'une séance Monsieur, j'ai déjà fait du Reiki, j'ai déjà fait du Shiatsu. Oula. D'accord. Alors, il faut savoir de quoi on parle, madame. Mais ben, donc, elle sait de quoi elle parle, alors. Séparez bien la somatisation de la guérison. Le monsieur, le mari de la dame, il est quand même mort de ça. Il y a quand même un moment donné. Non, je ne sais pas si tous les médecins seraient d'accord pour dire que le cancer est une maladie psychosomatique, que la maladie de Parkinson est une maladie psychosomatique. Enfin, voilà. On sait qu'il y a le pouvoir de l'esprit sur le corps, mais pour autant, peut-être qu'il ne faut pas jouer avec certaines limites et respecter la douleur des uns et des autres. Ok, attendez. Je voudrais qu'on donne la parole à monsieur Philippe Jean Parquet. Philippe Jean Parquet, vous êtes professeur de psychiatrie. Vous êtes psychiatre vous-même? Oui, tout à fait. Professeur de psychiatrie, donc c'est le haut niveau. Psychiatre, donc, c'est un médecin qui, en plus de ça, a fait des études. Qui ont justement trait à l'influence peut-être de l'esprit sur le corps, pas seulement. Qui est un spécialiste des désordres mentaux et qui est un spécialiste aussi de la vie psychologique et des difficultés qui ne sont pas obligatoirement des maladies. Alors je crois que ce que l'on vient d'entendre, quand même, c'est un mélange, un amalgame d'un certain nombre de choses. Nous savons qu'il existe un conflit intrapsychique qui peut avoir des conséquences. Nous savons que ça peut avoir des répercussions sur le corps, éventuellement donner des modifications des cellules et des organes, mais il ne faut pas amalgamer toutes les choses. Le discours que nous venons d'entendre est un discours qui ne repose sur aucune base validée par l'ensemble de la communauté qui essaie de travailler de manière la plus honnête. Donc vous dites attention ? Alors je dis tout à fait attention, et pour des raisons bien particulières, on ne va pas avoir un conflit de doctrine, mais dans le cas de votre mari, madame, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des pratiques cliniques qui sont bien codifiées maintenant. Il y a les conférences de consensus internationales et protocoles sur la prise en charge du cancer de la prostate qui sont maintenant bien codifiées avec les résultats que nous avons, qui sont assez bons, qui ne sont pas extraordinaires. Mais en même temps, c'est en progrès, en plus. Ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a une perte de chance. Et c'est là où est le dommage criminel et où la médecine n'a pas le droit de faire cela. Parce que là, il y a une perte de chance, même si la chance était minime, elle a été perdue. Si c'est deux quand vous entendez Parkinson, une malade qui a pu s'auto-guérir en étant en contact avec un psychothérapeute, comment vous réagissez au fond de vous? Alors là, on a une approche et un soutien psychologique à une personne qui présente une pathologie. Mais ça n'a pas d'efficacité sur les mécanismes sous-jacents à la maladie de Parkinson, sur les neurones qui ne sécrètent pas assez de dopamine. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre l'assistance psychologique, l'aide et le soutien qui est indispensable pour toutes les pathologies et ce qu'il en est des stratégies thérapeutiques. Je vous remercie. Il y a 3 ans, votre fille a assisté à des conférences de médecine nouvelle, entre guillemets. Elle s'inscrit à une formation. Vous saviez ce qu'elle cherchait dans cet enseignement? Je crois qu'elle cherchait de la formation. Pour elle, pour son métier peut-être, je ne sais pas. Et je crois qu'elle cherchait, comme un peu tout le monde, on cherche le mieux-être. Et puis des réponses à des grandes questions qu'on se pose. Exactement. Un jour,
plusieurs mois, quelques temps, disons, après c'est le début. Votre mari, votre fille vous annonce qu'elle veut une confrontation avec vous et votre mari. Oui. Alors, vous avez dit au début de cette émission qu'elle voulait vous accuser de choses extrêmement graves. Exactement. Oui. Alors, pour ceux qui nous rejoindraient, comment s'est passée cette confrontation ? Oh, très agressive, très colérique, je dirais. Un petit peu, comment expliquer ? Quelqu'un qui est possédé. Vous allez rire de l'expression, mais c'est l'impression que j'ai eue. Ce n'était pas elle. Elle me donnait l'impression d'être manipulée par quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un d'autre qui parlait à sa place. Elle était déchaînée comme je ne l'avais jamais vue. Votre mari, comment a-t-il réagi ? Mon mari, nous avons réagi calmement. Parce que devant la violence, ça ne sert à rien, la violence. Alors nous avons réagi... Peut-être qu'est-ce qu'elle vous a dit d'abord ? Exactement. Ah, elle nous a dit que son mari, que mon mari avait abusé d'elle beaucoup de fois, énormément de fois, que nous avons organisé des partous entre amis, que j'avais aussi abusé de tous les enfants, que j'avais fait de la gérontophilie. Avec qui de la gérontophilie, madame, excusez-moi ? Avec une personne âgée. Ah, ça, je me doute. Oui, bien sûr. Mais qu'elle l'avait vu qu'elle... Non, elle n'avait rien vu du tout. Elle ne connaissait même à peine cette personne dont je m'occupais. Comment elle vous a expliqué que... Parce qu'il faut savoir rester calme quand son propre enfant vous dit des choses comme celle-là. Enfin, une femme, en plus, qui était déjà plus une gamine, enfin, si j'ose dire. Oui, ce n'était plus une gamine. Elle avait 41 ans. Oui. Comment elle expliquait le fait qu'elle n'avait jusque-là gardé aucun souvenir de tous ces faits qu'elle aurait pu voir ou de toutes ces agressions qu'elle aurait subies ? Non, parce qu'on lui a demandé, tu as des souvenirs. Et comment elle le savait, alors comment elle disait le savoir ? Mon corps le sent. Mon corps le sent ? Oui. C'est-à-dire mon corps le sent, c'est-à-dire ça va pas suffire, que son thérapeute avait dit qu'il fallait qu'elle écoute son corps. Mais elle avait inventé tout ça toute seule, à votre avis ? Non. Elle avait suivi une formation, la médecine nouvelle, pendant un certain temps. Marc est avec nous, votre mari. Où êtes-vous, Marc ? Oui, je suis ici. Bonsoir, Marc. Vous aussi, vous avez été gravement mis en cause par votre fille. Ah, bien sûr. Vous avez plusieurs enfants, hein ? Pardon ? Vous aviez plusieurs enfants ? Oui, nous avons 4 enfants. D'accord. Et donc, les relations étaient dans l'ensemble très bonnes. On s'entendait très bien. Bien sûr, comme toujours, il y avait des petits conflits comme il y en a dans toutes les familles. D'accord. Et nous aidions beaucoup notre fille à garder son petit garçon pendant qu'elle travaillait. J'aidais beaucoup ma fille pour arranger sa maison, pour tapisser, pour peindre, pour etc. Mais elle vous accuse de l'avoir violée, monsieur. Comment vous avez réagi ? Et tout d'un coup, elle est venue donc et elle m'a dit « ça arrive même dans les meilleures familles et je t'annonce que tu as abusé de moi ». Comment ? Et je dis, ah. Entre quel âge et quel âge, pendant qu'on y est ? Entre 2 ans et 10 ans. 2 et 10 ? Oui. Alors que tout le monde sait bien que les souvenirs, ça commence seulement vers 4-5 ans. Alors, j'ai essayé de garder mon calme. Donc, elle aurait dû avoir des souvenirs très précis de ce qui serait passé avant 10 ans. Parfois, on occulte, mais vraiment, ce sont des... Et alors, je lui ai dit, comment ? Et c'est arrivé souvent ? Ah oui, très souvent. Oui, mais je dis, ça peut être entre 2 et 36 fois. Elle m'a dit, c'est plus proche de 36. Voilà. Ça voulait dire quoi, là ? Parce que tout se mélange ? Ah ben oui. Voilà, elle commençait à... Mais elle délirait. Mon épouse parle d'elle, était possédée, mais c'était du véritable délire. Elle a essayé de convaincre ses frères et sœurs, vos autres enfants ? Oui, bien sûr, elle a essayé de les entraîner dans l'aventure, mais heureusement, eux nous ont posé carrément des questions, mais ils ont été quand même perturbés, hein, bien sûr. Alors vous l'avez appris par la suite, il s'agit d'une technique utilisée par certains thérapeutes, je ne dis pas qu'ils sont tous malveillants, hein. Certains thérapeutes malveillants, plus que malveillants, on appelle ça la technique des faux souvenirs induits. Est-ce que Catherine, vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, bien sûr, c'est une méthode des actes d'un thérapeute qui profite de son pouvoir sur son patient pour distiller en lui, à partir d'événements de sa vie, par exemple une jeune femme qui se met tout le temps en pantalon, on va l'amener finalement à croire que si elle se met tout le temps en pantalon, c'est peut-être parce qu'elle ne supporte pas d'être en jupe, et si elle ne supporte pas d'être en jupe, c'est peut-être parce qu'elle a subi, elle se met à réfléchir, elle se met à découvrir. Alors c'est au travers de techniques particulières, de manipulation mentale, exactement, qui ne sont pas en elles-mêmes condamnables. C'est l'utilisation
déviante, d'utilisation sectaire, qui amène à distiller chez la patiente, ou le patient, en général la patiente pour le problème de. Mais dans quel but, quel était le but de semer un doute aussi terrible dans la tête de cette femme, de créer une zizanie avec des parents? Quel était le but de celui qui manipule? Quel peut être le but? Alors le but, il est double. En tout cas, les témoignages que nous recevons à la mission vont dans ce sens. C'est ce grand plaisir qu'ont certains à mettre les autres sous leur dépendance, sous leur puissance, et de leur faire amener à croire des choses qui ne se sont peut-être jamais passées. Ce sont des grands mégalos, généralement. Voilà. Et donc, le deuxième cas, c'est l'argent. Il y a une sorte de fidélisation de la patiente, puisqu'on lui fait croire en même temps, dans le cas des thérapies sectaires, dérivantes sectaires, qu'elle est obligée de croire à ce qu'on lui dit, parce que sinon elle ne guérira jamais. Vous en êtes où dans vos relations avec votre fille? Nous ne la voyons plus, occasionnellement, très, très rarement, extrêmement rarement. Ce sont des cas qui arrivent devant les tribunaux sous deux angles. L'angle, lorsque les faits faussement induits ne sont pas prescrits, il peut y avoir une action judiciaire. J'ignore si c'est le cas pour vous. Pourquoi? Vous ne voulez pas? Mais non, parce que c'était au date de 28 ans. C'est prescrit. Voilà. Donc, le délai, si tant est que les faits auraient pu avoir lieu, est dépassé. Cette fille aurait pu attaquer ses parents si elle l'avait fait à moins de 28 ans. C'est la grande particularité, d'ailleurs, de cette problématique, c'est que les enfants sont souvent adultes. Et c'est en général autour de l'âge de la quarantaine. Oui, donc quand il ne peut pas y avoir d'enquête approfondie, quand la justice ne peut plus intervenir. Exactement. Donc, vous imaginez bien que ces souvenirs reviennent à plus de 40 ans passés, au moment où se sent peut-être pas très bien dans sa peau parce que crise de la quarantaine, de la cinquantaine, etc. Et on se met à annoncer à ses parents des choses épouvantables. Ça broie des familles, évidemment. Vous l'avez vu plusieurs fois, ça? Oui, tout à fait. Des cas qui, judiciairement d'ailleurs, ont été établis. Parce que la deuxième particularité, c'est l'impossibilité de rendre crédible le souvenir. C'est-à-dire... même si on ne se souvient pas de ce qui s'est réellement passé, parce que comme vous le dites, et j'ai longtemps été juge d'instruction, donc des dossiers d'inceste, j'en ai connu un certain nombre. Avec des personnes, qui occultaient, mais les sensations, par exemple. Vous voyez, par exemple, moi je me souviens d'un cas d'une victime qui me disait l'odeur du nounours dans mon nez, je le sentais quand j'avais 2 ans. Eh bien, ces faits-là permettent au psychiatre de faire le lien précis pour établir la réalité des faits, parce que, évidemment, c'est toujours extrêmement délicat, ces situations. Et si les faits dénoncés étaient vrais, c'est d'ailleurs épouvantable pour ces familles qui n'ont pas commis les faits qui leur sont reprochés, de voir dans le regard des voisins, des amis... il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être est-ce que ça a réellement eu lieu. Là aussi, comme pour le mari de Maryse et comme pour, dans ces cas-là, méfiance. Je donne la parole à Sylvie maintenant. Il y a six ans de cela, vous viviez une rupture sentimentale difficile, des crises d'asthme, vous l'avez dit. Vous allez mal, vous allez voir un médecin généraliste. Oui. Que vous connaissiez? Je la connaissais pas depuis très longtemps parce que je venais de déménager. Vous emménagez dans une ville nouvelle aussi. Voilà. Vous étiez un peu déraciné, vous nous avez dit. Voilà. Bref, vous allez voir cette femme qui vous envoie directement vers un thérapeute. Oui, elle me le présente, elle me dit c'est quelqu'un de très bien, il s'occupe des maladies psychosomatiques, donc moi j'étais en train de me débarrasser de mon asthme, et donc ça m'a interpellée, puis j'étais pas bien non plus, j'étais déprimée. Un peu, le moral. Et vous allez voir cet homme, à quoi ressemble son cabinet? Son cabinet me fait une sensation très étrange, c'est un petit peu, pas dans la pénombre, mais il n'y a pas la lumière comme il peut y avoir ici, c'est une lumière bleutée, je sens que c'est une ambiance un peu comme chez un sorcier, quelque chose de bizarre, et c'est surtout quand il m'a ouvert la porte avant de rentrer dans son cabinet, il y a eu un regard très perçant, et là j'ai eu peur. C'est un homme de quel âge à peu près? Dans la cinquantaine à peu près. Un bel homme? Non. Non. Non, je dis ça, c'est important pour la suite. Il vous propose donc différents traitements, certains ont été cités, Reiki, hypnose également, non seulement pour vous guérir de votre asthme, mais aussi pour vous donner confiance en vous. Tout à fait. D'abord, le Reiki m'a fait qu'elle a commencé à me faire des séances. Le Reiki, exactement? Le Reiki, c'est une technique énergétique. On dit qu'on prend l'énergie du ciel et de la terre et qu'on la redonne à quelqu'un en posant les mains sur lui. A priori, on en veut bien.
Oui. Et donc, c'est mieux que le magnétisme parce que ça ne prend pas l'énergie en soi. On capte une énergie qui serait... Vous avez tout de suite confiance en lui, séance après séance? Dans quelle relation vous installez avec lui? Sauf les premiers instants. Mais comme, en fait, les paroles de mon médecin me sont revenues à l'esprit, je suis quand même restée. Et après, j'ai toujours eu confiance en lui. Ouais, donc attention, les médecins généralistes, que vous dites que cette femme, vous en avez la certitude, n'était pas complice. Attention, de ne pas envoyer vers des gens dont on aurait entendu parler que etc. Non, c'est-à-dire, je pense qu'elle s'est faite manipuler elle aussi. Hein. Donc, je pense qu'elle a été dupe de cet homme-là. Il faut dire que vous êtes tombée véritablement dans la dépendance, que cet homme était vraiment un as de la manipulation. Oui. Au début... il vous demande pas beaucoup d'argent et puis un jour il vous emprunte de l'argent. Oui. Quelle somme? Il vous demande en tout? En tout 3 550 euros, donc il ne m'a jamais rendu et qu'il m'a demandé en plusieurs fois, en trois fois. Comment il l'a justifié? Il a dit qu'il était dans la dèche, qu'il avait perdu une grosse partie de ses patients. Mais bon, il faut dire que ça s'est fait sur plusieurs années. Hein. C'est pas venu du jour au lendemain. Combien de temps vous êtes resté au contact de cet homme? Plus de 4 ans. Plus de 4 ans. Alors, un an après le début de la thérapie, il vous demande de vous mettre, pour ça je demandais si c'était un bel homme ou pas, toute nue pendant une séance. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous réagissez? Je suis au début très hésitante, mais comme je sors de quelque chose, j'ai vécu quelque chose de difficile juste quelques jours avant, il prétend que c'est pour créer un choc en sens contraire. Quelque chose de difficile, par exemple, quoi? C'est trop de mystère, vous savez, ça fait trop de fantasmes, on ne sait plus ce qui s'est passé. Quoi. Donc j'avais hébergé quelqu'un chez moi et au moment, j'ai voulu qu'il parte à un moment donné et il a failli me frapper, il m'a pris les mains, enfin j'ai cru que ça allait très très mal se terminer. D'accord. Donc votre thérapeute vous dit que pour vous guérir cette fois-ci, vous devez vous déshabiller. Voilà. Et qu'il faut créer un choc dans l'autre sens. Et en fait, une semaine après, il a commencé à abuser de moi. Et moi, je trouve que ce sont des viols, parce qu'il s'est complètement... C'est-à-dire que vous avez couché avec lui, enfin, vous avez des relations sexuelles avec lui dans le cadre de sa thérapie, dans son cabinet? Tout à fait. Donc, pendant combien de temps? Pendant jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de ma dépendance à lui. Pendant plusieurs années. Oui, donc là, ça a commencé. Ça vous plaisait? Vous étiez d'accord? Il vous plaisait cet homme au moins? Non, il ne m'a jamais plu, mais il m'a rendue complètement dépendante parce qu'il a perverti le transfert, parce qu'on sait bien qu'il y a transfert au moment d'une thérapie. Donc il l'a perverti, puisque normalement un thérapeute, psychothérapeute, psychiatre, quel qu'il soit, déontologiquement, il ne touche pas à ses patients. Donc, c'est une règle de base. Donc, lui, il savait très bien qu'il y avait transfert, on a forcément une certaine attirance. Et lui, il s'est servi de ça et il a mis ça en place, mais sur plusieurs mois. Et vous disiez par ailleurs, parce que vous sortiez d'une histoire d'amour un peu compliquée, vous étiez donc seule, il vous disait aussi vers quel type d'homme vous deviez vous diriger pour retrouver l'amour? Oui, tout à fait. Et puis, mais il dessinait son portrait dans ces cas-là ou comment il faisait? Non, c'est-à-dire qu'il voulait que je rencontre des hommes de la même religion que lui. D'accord, voilà. Vous l'avez fait? Oui, j'ai essayé. Vous avez des relations sexuelles avec eux aussi? Non. Non. Non, non. Fidèle à votre thérapeute, si je peux me permettre. Oui, disons qu'il a tout fait pour qu'il n'y ait que lui. Et sans vous en rendre compte, c'est quelqu'un qui était vraiment visiblement... Oui, sur le moment, je me suis rendu compte de rien. J'avais des moments de malaise très profonds, mais je ne faisais jamais le lien entre mes malaises et ce qu'il faisait. Je ne l'ai fait que vraiment à la fin. Catherine, vous avez dit que ce genre de manipulation était de plus en plus fréquente. Alors effectivement, ce sont des manipulations par lesquelles des thérapeutes, avec lesquels un patient établit effectivement des liens de confiance, quand on va voir, alors je prends sûrement un terme un peu choquant pour certains, mais son médecin, ou un psychothérapeute, ou un psychanalyste, on établit avec ce praticien une relation de confiance qui fait qu'à aucun moment on ne peut imaginer qu'il va abuser à la fois de notre situation de faiblesse, puisqu'on est en situation de faiblesse face à un médecin, puisqu'on a une problématique, sinon on n'irait pas le voir. Et donc là, on se trouve face à ce que d'aucuns appellent des dérapeutes,
qui abusent de cette relation de confiance. Ouais. Hein, avec certains présidents d'associations, notamment, appellent ça des dérapeutes. C'est un mot assez joli hein, par rapport à néologisme, qui, en tout cas, oui, exactement, c'est un néologisme. Et donc, il viole cette relation de confiance, il en abuse, toujours pour ce problème de domination. Et puis parce dans que quel but ? Avoir des relations sexuelles, avoir soit prendre des de l'argent, voilà, exactement, soit les deux. Les deux, puisque, alors, sans évidemment... Là, ce sont des dérives sectaires. Là, on est sur des dérives sectaires, on est dans l'abus pour à la fois faire de l'argent, pour développer des méthodes thérapeutiques non évaluées. Et mais il est possible pour madame, dans ce type de cas, de pouvoir avoir recours à la justice, de pouvoir se défendre ? Il est extrêmement difficile de prouver les dérives entre un thérapeute et son patient, parce que par définition, la relation est binaire, personne n'est là pour être témoin. Le thérapeute peut ne pas avoir gardé de documents ni d'écrits, et en tout état de cause, c'est couvert par le secret, alors peut-être pas médical, enfin professionnel. J'insiste sur un terme, psychothérapeute, tout le monde peut se réclamer psychothérapeute. Oui. Psychothérapeute, oui. Tout le monde, oui. Tout, n'importe qui peut avoir une plaque en cuivre sur son immeuble. Absolument. Alors je ne sais pas quel diplôme à mon voisin, mais... Oui, bon. Mais vous avez quel diplôme, monsieur ? Je crois qu'il ne faut pas diaboliser les choses. C'est une question que Mme Katz vous posait, si vous voulez juste y répondre. Est-ce que vous avez... On n'est pas là pour... Est-ce que vous voulez... Vous demandez si vous avez un diplôme. Que pensez-vous ? J'ai un diplôme universitaire de philosophie et lettres, et j'ai suivi un certain nombre de formations, mais ce n'est pas moi qui suis en cause ici. Que pensez-vous un médecin, madame, qui dit à sa patiente, écoutez, madame, je veux qu'on procède à l'ablation complète de votre utérus, et si vous ne voulez pas, madame, changer de médecin. Est-ce que ce n'est pas non plus un dérapeute ? On ne peut pas toujours répondre par le contre-exemple. Hein. Alors, il ne faut pas non plus, monsieur Delarue, avec un diplôme de littérature et de philosophie, vous pouvez guérir Parkinson ? Je ne guéris personne, monsieur Delarue. Vous aidez la personne J'ai à se guérir elle-même. Des formations en psychothérapie qui permettent, en relation d'aide, d'accompagner les gens pour pouvoir... Ne guéris personne. On ne va pas tourner en rond. Vous l'avez déjà dit, j'ai déjà posé cette question-là, mais c'est aussi valable pour vous que pour moi, M. Baudouin. Alors, à côté de ces nouveaux visages de la manipulation et des dérives sectaires dont on parlait à l'instant avec Catherine... seulement du côté des thérapeutes, psychothérapeutes et thérapeutes, elle est aussi ailleurs. De l'autre côté. D'accord, donc vous êtes en train de dire qu'elle est aussi du côté des thérapeutes. Monsieur Delarue, il ne faut pas dire qu'il y a les bons d'un côté et les méchants. Il ne faut pas être manichéen. Il y a aussi des thérapeutes dans le monde médical. Vous savez, Monsieur, vous n'allez pas parler comme ça en continu. Quand vous dites qu'il y en a aussi dans le monde médical, donc vous reconnaissez qu'il y a aussi des thérapeutes dans votre milieu à vous ? Mais il ne faut pas dire qu'il y a les bons... Oui, mais... Oui, une statistique de la JAMA, je ne sais pas si vous connaissez. Allez, il faut qu'on avance, monsieur, on va pas y passer la nuit, oui, je suis absolument confus. Tout de même, je suis confus. Si vous aviez un certain nombre de questions à poser, je suis désolé, je vais continuer à discuter, monsieur Baudouin, parce que. Gilles ne m'a pas du tout présenté les choses comme ça. Mais enfin, bref. Bah, ça fait juste 20 minutes. J'ai l'impression d'être dans un traquenard. Ah, bah très bien. Et je pense que ça ne passera même pas sur antenne ce que je viens de dire maintenant. D'accord. Donc, ce sera évidemment coupé. Très bien. Je vais simplement dire que une des plus grandes revues médicales américaines, qui est d'ailleurs traduit en français... Faites-le moins court, moi, monsieur Baudouin. Oui, mais c'est tout de même bizarre qu'avec d'autres, ils peuvent faire un peu plus long, et moi, c'est toujours doit faire c'est court. Je ne peux même pas expliquer le détail, les choses, vous voulez que je fasse court. Dis donc, vous avez bien raconté déjà, vous ne trouvez pas ? Mais pas du tout, vous avez quand même bien expliqué plusieurs cas. Vous seriez très étonné. Hein, Alors là, franchement, vous exagérez. Donc, on va regarder un reportage. Sinon, effectivement, on sera obligé de couper. À côté de ces nouveaux gourous... Oh, écoutez, on va vous regretter. On va vous ouvrir la porte. Merci, Baudouin. À côté de ces nouvelles formes de manipulation dont parlait Catherine, ce que vous appeliez les dérapeutes à l'instant, il faut dire aussi que cohabite ce qu'on a l'habitude de voir, l'ancienne génération de gourous et de ceux qui utilisent ces dérives sectaires. Je propose de regarder quels sont les moyens qu'utilisent ces mouvements, et notamment en attirant parfois de grandes stars. Alors, après la phase de séduction, grâce à ces grandes stars, vient celle de la manipulation. C'est un reportage de Valérie Tison et de Sébastien Brizard. Souvenez-vous, c'était en juillet dernier. Tom Cruise au cœur d'une polémique en Allemagne. Une partie de la classe politique berlinoise refuse qu'il interprète le rôle d'un héros anti-nazi dans le film Valkyrie. La raison invoquée, son appartenance à un mouvement qui, en Allemagne comme en France, est considéré comme sectaire. Tom Cruise est quelqu'un d'extraordinaire, c'est un acteur formidable. Par contre, il faut être très sévère par rapport à l'organisation qui utilise Tom Cruise à des fins commerciales absolument évidentes.
Vous-même, vous êtes adepte de cette église. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude? Non, pas du tout. Ça provient d'un manque de compréhension. Moi, je suis à l'église depuis 20 ans. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. 1990, Tom Cruise entre dans le mouvement grâce à sa première femme, Mimi Rogers. 1995, sa sœur, adepte influente du groupe, devient son agent. C'est alors que sa vie bascule. Devenu l'ambassadeur rêvé de l'organisation, il devient sa meilleure arme de communication. Après avoir tenté de convertir Nicole Kidman, puis Penélope Cruz, il épouse en 2006 Cathy Holmes et en fait une adepte dévouée. Chaque déplacement est alors pour lui l'occasion de parler de ses croyances, aux dépens de la promotion de ses films. L'acteur reverse même une partie de ses bénéfices au groupe, au total plusieurs millions de dollars par an. Les célébrités sont une vitrine pour les sectes. C'est une manière d'attirer le chaland. Et comme on s'identifie aux célébrités, si les célébrités sont pour les institutions à caractère sectaire, évidemment, c'est un système de recrutement absolument génial. Mais Tom Cruise n'est pas le seul. Un grand nombre de personnalités comme John Travolta, Juliette Lewis ou encore Julia Migenes Johnson ont usé de leur charme pour vanter les mérites de ces organisations. Toutes les organisations sectaires ont pour but d'abord de séduire. Et pour séduire, il faut soit proposer des choses miraculeuses, soit avoir de remarquables images d'appel. Et il est évident que les célébrités sont des images d'appel. Autre célébrité, autre mouvement, octobre 2004, la presse s'empare d'un phénomène nouveau, une organisation mystérieuse qui séduit des stars comme Demi Moore et dont Madonna est l'effigie. Leur signe de reconnaissance, un petit bracelet rouge, emblème du mouvement. La chanteuse va même jusqu'à effectuer un pèlerinage mystique sur ses terres originelles, le tout sous l'œil des caméras. Je crois que ces célébrités sont convaincues de ce qu'elles font, qu'elles sont... En vérité, des adeptes exactement comme les autres, c'est-à-dire totalement manipulés. Une fois happé par la lumière et les paillettes de ces mouvements, le futur adepte ne sait pas que l'emprise a déjà commencé. Leur arme pour entrer dans l'inconscient, de pseudo-tests de personnalité. Ils bricolent ces tests afin d'obtenir deux choses. La première chose, c'est vous êtes en difficulté, vous avez des besoins et ils ne sont pas couverts. Et l'autre chose, à l'intérieur des questions, ce que nous vous proposons, c'est très exactement ce que vous cherchiez depuis longtemps. Donc, venez nous voir. Le pianiste réputé Alain Stoffen est tombé dans leur piège. En 1985, son ambition l'amène à pousser la porte d'un centre aux pratiques très spéciales. Moi, je sors d'une formation classique en tant que pianiste et j'ai découvert un certain monde la musique de Chick Corea, qui est un grand pianiste jazz. J'ai découvert également la musique de Mark Isham, qui est un trompettiste de jazz. Et je tombe sur la photo de Chick Corea et de Mark Isham. Donc mon étonnement était très grand. Et puis j'avais l'impression vraiment que j'étais arrivé à un endroit où je pouvais réaliser vraiment ce que je recherchais. Alain Stoffen est ébloui. La mécanique est lancée. L'expert psychiatre a été catégorique en expliquant qu'il avait été sous emprise, qu'il avait vécu un véritable rapt psychologique. J'ai subi donc des violences verbales, dépression morale. On va vous inculquer des choses, on a un discours qui est extrêmement culpabilisant, on utilise des mises en scène trompeuses. C'est impossible de faire la différence entre qu'est-ce qui appartient à soi-même, qu'est-ce qui est soi, et qu'est-ce qui est en fait le résultat de l'endoctrinement. Aujourd'hui, Alain Stoffen en est sorti, mais il lui aura fallu plus de 10 années pour se reconstruire. D'une personne qui était libre en tant qu'individu, il était devenu totalement un sujet qui était sous l'emprise totale de ce mouvement sectaire qui, pendant des années, avait fait de lui ce qu'il souhaitait. Catherine. Vous avez regardé ce reportage avec attention. On parlait de ces mouvements qui, dans un premier temps, séduisent et, oui, dans un deuxième, oui, temps, manipulent. Oui. C'est comme ça, à votre avis, que votre maman a été prise dans les filets? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, au début, en plus, quand on rentre dans un mouvement sectaire, on est toujours les plus beaux, les meilleurs, on va faire partie de l'élite. Et puis après, une fois qu'on est bien dedans, on ne fait jamais assez, en fait. On ne donne jamais assez, on ne se donne jamais assez. Une fois qu'on est bien ferré. Une fois qu'on est bien ferré, le discours change. Parce qu'on utilisera beaucoup le terme de poisson, de phishing, comme vous disiez, oui, tout à l'heure. Oui, dans le groupe dont j'ai fait partie, oui.
Oui, c'était ça. En fait, c'est... Non, c'est pas tout à fait ça. C'est les poissons, ce sont les gens qu'on fait rentrer dans le groupe par le biais de la sexualité. En fait, on pratique le flirty fishing, on va à la pêche amoureuse. S'il n'y a pas d'autre biais pour faire rentrer la personne, ou l'attirer, ou lui faire amener de l'argent, eh bien, on le fait par ce biais-là. Vous aviez 12 ans quand vous êtes entrée dans ce mouvement. Oui. Votre maman était séduite. Ce jeune homme faisait du porte-à-porte, et puis petit à petit, il s'est immiscé dans la vie de famille. Et puis un matin, il était dans le lit de ma mère. Donc, il a pratiqué le flirty fishing. Vous l'avez vu, ça, peu à peu, le... Le changement ? Oui. Oui, oui, j'ai vu ma mère tomber amoureuse, oui, elle allait avoir 40 ans, lui, il avait une vingtaine d'années. Vingtaine d'années ? Oui. Pourquoi pas ? Et puis, en fait, ce qu'il voulait, lui, on était deux sœurs, hein, ma sœur avait 2 ans de plus que moi, et lui, ce qu'il voulait, c'était les filles, quoi. Il a d'abord eu la mère et il voulait les filles ensuite. A-t-il eu les filles ensuite ? Oui, oui. Les deux ? Oui, les deux. Ma sœur, tout de suite, à notre entrée dans la secte. Et moi, il a essayé, mais je n'étais pas conciliante. D'autres hommes ont essayé aussi, parce qu'il faut savoir que c'était comme ça. Cet homme, c'était le gourou, cette secte ? C'était le berger de la communauté, c'était le chef de la communauté, parce qu'on avait un langage particulier. Lui était le berger. Il était le berger, on était les moutons, parce qu'on devait suivre docilement. Donc mais un mouton, c'est docile. Mais on vous appelait, il vous appelait les moutons ? Il nous disait qu'on devait être des moutons. Et il nous disait, vous ne devez pas murmurer. Alors le murmure, chez eux, c'était les critiques. On ne devait pas critiquer le groupe. Vous deviez quoi, bêler ? Non, ne bêlait pas, mais c'est... on était dociles, on suivait. Mais quand on vous dit, vous êtes des moutons... Obéissant et docile. Comment votre maman réagissait à l'idée d'être un mouton ? Je parle d'une adulte avec elle un libre-arbitre. Elle était plus que moi. Hein. Moi, je n'étais pas très docile, en fait. Pourtant, vous étiez frappée. Beaucoup plus jeune. Oui, mais voilà, je voulais, mais... j'avais envie de me protéger quand même. Mais quand votre mère voyait qu'on abusait de vous, donc 12 ans, vous nous avez dit d'abord des caresses, attouchements. Des caresses, oui, des tentatives. 14 ans, la perte de la virginité, avec le gourou qui vous fait comprendre qu'il est temps pour vous de devenir un membre actif de ce groupe. Oui. Comment elle réagit, votre maman ? Elle laisse faire, parce que quand on remet en cause un précepte d'un groupe... C'est tout le groupe qu'on remet en cause, c'est le mouvement. Donc elle ne pouvait pas le faire, ne pouvait pas me protéger. Elle était dans la pièce à côté quand ça s'est passé, elle ne m'a pas protégée. Dans quelles conditions vous viviez ? C'était quoi, dans un immeuble ? On vivait en communauté, en fait, on était itinérants, on voyageait beaucoup. En fait, au début, on voyageait parce qu'il fallait évangéliser le plus de monde possible. Et puis après, ce qui s'est passé, ma sœur a quitté la secte au bout d'un an et demi. Et puis, elle est... Pas dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, elle est partie vivre chez mes grands-parents paternels qui ont appris tout ce qui se passait, qui ont fait des démarches pour que moi, je sorte. Donc à chaque fois qu'on était repérés, que j'étais repérée, est susceptible d'être interrogée par la police ou par qui que ce soit. Bon, c'était pas très actif non plus. Hein. Je veux dire, les recherches, la police n'était pas très active non plus, on va pas dire ça. Peut-être mais pas très au courant, on changeait d'endroit parce qu'il fallait surtout pas que je parle, quoi. Donc vous avez... Donc on était itinérants, donc on vivait sous tente quand il faisait beau et dans des gîtes ruraux quand il faisait pas beau. Et vous étiez combien, vous déplacez comme ça On était un noyau de 4-5 personnes. Après, il y a des gens qui revenaient, qui repartaient. Très peu, finalement. Très peu, avec ce berger qui était prédominant et qui avait un caractère très particulier. Alors les moutons, c'était dans un premier temps votre maman. Alors ma maman, vous, votre sœur. Ma sœur et une autre jeune fille qui avait 18 ans, elle. Presque comme une famille, quoi, je veux dire... Oui, et en plus, pour resserrer les... Après, il y a un autre jeune homme qui est venu, et pour resserrer les liens et que la communauté soit hyper soudée, parce qu'il avait cette peur-là qu'on éclate à un moment donné et qu'il s'en aille, on a fait un mariage biblique, c'est-à-dire qu'on s'est mariés devant Dieu et on a signé dans la Bible. Donc, c'était un lien fort qui explique peut-être aussi qu'on n'arrivait pas à sortir même après pendant le procès parce qu'on l'a défendu. Non, c'est pas la grande secte telle qu'on l'imagine avec des milliers de personnes. Après, il y a toutes les communautés. Le groupe là, c'était un groupe mondialement connu qui avait chanté à la télé, qui avait fait des prestations, oui, à la télé, qui était connu même par des vedettes. Mais on vivait tous en communauté dispatchée à travers le monde. Atomisés comme ça, mais qui se retrouvaient de temps en temps. Et après, on était reliés parce qu'on recevait des publications mensuelles. On envoyait une dîme.
à un endroit, 10% de nos revenus. Et puis, on recevait des publications mensuelles avec des nouvelles de toutes... Comment vous faisiez pour gagner de l'argent ? Eh bien, on distribuait des tracts dans la rue. Moi, par contre, j'ai été déscolarisée, hein, c'est-à-dire j'allais plus à l'école pendant 3 ans. En 3 ans, j'ai dû faire 2 mois d'école, de 3 mois, c'est pas beaucoup quand même. Et puis, on distribuait des tracts, on faisait du porte-à-porte. Ouais. Les gens, en échange de nos petites publications. Et on vivait de ça et on donnait tout aux bergers de communauté. Vous avez pratiqué le flirty fishing vous-même ? Moi non, ma sœur oui. Moi non, j'ai échappé à ça parce que ma sœur justement a fait connaissance avec un jeune homme. C'est qu'on l'envoyait à l'extérieur ? Non, parce que c'était des gens qu'on pouvait rencontrer dans la rue, qui avaient envie de nous revoir et puis voilà quoi. Donc ma sœur a rencontré un jeune homme comme ça et puis elle est partie avec ce jeune homme. Elle était mineure, elle avait 15 ans et 3 mois. Elle a menacé ma mère de tout dévoiler ce qui se passait si ma mère ne la laissait pas partir. Ma mère l'a laissée partir à 15 ans et 3 mois. C'est vous dire quand même comment on peut faillir à un moment donné, comme les parents peuvent faillir. Donc elle est partie et ils se sont rendus compte qu'en fait c'était un danger de le faire à une adolescente. Donc je remercie ma sœur en ce sens-là, même si je ne l'ai pas remerciée quand elle est partie parce qu'elle m'a abandonnée. J'ai pris ça comme un abandon, c'était ma grande sœur. Donc, mais elle m'a protégée de ça. C'est-à-dire, voilà, moi, j'ai échappé à ça, heureusement. C'est une forme de prostitution, non ? Oui. C'est une prostitution sacrée. En fait, c'est eux pour... Enfin, on donne une dimension sacrée à la prostitution. Pour ce groupe-là, puisque Dieu, puisque Jésus a donné son corps sur la croix, hein, il est mort pour nous, nous devons donner notre corps. Enfin, nous devions donner notre corps. Pour Dieu ? Pour Dieu. Pour Dieu. Vous êtes sortie à quel âge de ce mouvement ? 15 ans, physiquement. Comment vous êtes reconstruite ensuite ? Ça a été long. Pourquoi vous dites physiquement, pardon ? Parce qu'entre sortir physiquement d'un groupe, bon, moi j'ai profité du procès, c'était le moment idéal, c'est le moment ou jamais. Je me suis dit c'est le moment ou jamais parce que j'avais eu des fois envie de partir, mais j'avais peur que Dieu me punisse. Hein. Et en fait, je me suis surprenais même 5 ans après à penser et à réagir comme on me l'avait demandé et à utiliser des termes que j'utilisais dans ce groupe, puisque je vous disais, on avait un langage particulier et j'ai mis des années à m'en sortir et après j'ai eu la chance de rencontrer des gens. J'ai pas suivi de thérapie, j'aurais dû à un moment donné le faire, je pense. Pas n'importe laquelle, on l'aura compris. Pas n'importe laquelle, oui. Je dis pas ça pour Baudouin, que nous saluons une nouvelle fois. Je ne condamne pas certaines thérapies. Je ne condamne pas. C'est les dérives. Hein. À un moment donné, il y a certains thérapeutes qui dérapent. Après, de la même manière que l'autre Catherine ne parle plus de secte, mais de dérive sectaire. Voilà, c'est tout à fait ça. Avec des buts. Voilà, c'est ça. Et puis, on a... Qu'est-ce que vous dites aux jeunes femmes de votre âge ou... aux mamans qui seraient tentées d'embarquer leur famille ? Ne le faites pas, parce que... Enfin, après, de quel droit je pourrais dire ne le faites pas ? Mais il y a un moment donné, un groupe ou un chef de communauté, où on l'appellera n'importe comment un thérapeute, qui va dire à un moment donné à cette femme, à cette maman ou à son papa d'arrêter, de ne plus être le parent qu'il devrait être. J'ai envie même de dire à tous ceux qui veulent rentrer dans un mouvement, qu'est-ce que vous voulez rechercher ? Nous, quand on est rentrés dans ce mouvement-là, on nous a dit, vous aurez la liberté. J'ai connu l'enfermement, à tout point de vue, je veux dire. Je n'avais plus de liberté de penser. C'est une vieille technique de manipulation que de promettre le contraire. Mais je l'ai connu, cet enfermement, parce que même quand ma sœur est partie, on vivait à l'époque dans un camping, je ne pouvais même pas aller prendre de douche toute seule ou aller aux toilettes toute seule. J'avais en permanence quelqu'un qui m'accompagnait partout. Vous aurez la liberté. J'ai connu vraiment la perte. Ça rappelle Arbeit-Marfrey. Oui, après, je me suis octroyée, moi, des moments de liberté qui m'ont apporté un souffle et qui m'ont aidée à surmonter ça. Tant mieux hein, que vous ayez eu cette force en vous pour vous en sortir. Comment va votre sœur aujourd'hui ? Je dirais presque moins bien que moi. C'est-à-dire que moi, il y a eu un moment donné, je me suis beaucoup lamentée sur ce que j'avais vécu. Donc, c'est forcément ça aussi qui a fait qu'on a eu des problèmes de couple avec mon mari au début. Puisque vous aviez peur de lui, par moment ? Oui, parce que je ne supportais pas certaines choses dans l'intimité. Et puis tout ça, enfin, la naissance de ma fille, tout ça. Et puis... Et c'était quoi la question ? Non, la question, c'est comment... La question, c'est surtout comment vous allez aujourd'hui, globalement ? Comment je vais ? Bien, mieux. Ouais, mieux qu'à... Ah oui, alors ma sœur, c'était... Oui, donc ma sœur, elle, le problème, c'est qu'elle est restée sur une victimisation. C'est moi, j'ai voulu faire de ça ma force. Sinon, on se lamente, on traîne ça comme un boulet toute sa vie, et puis on ne fait rien de sa vie, quoi. Moi, ce n'est pas ce que je voulais. Pascal, vous connaissez bien la secte dont parle Catherine. Vous avez pu échanger quelques mots avant l'émission. Je précise que vous ne vous connaissez pas tous les deux, en revanche. Vous avez été flirté, attrapé par une jeune femme ? Oui. Séduit par une jeune femme ?
que vous avez rencontrée à quel âge? Mais à 20 ans, en fait. Et qu'est-ce qui vous a séduit chez cette jeune femme? Son regard, en premier. Parce que, justement, ce qu'elle disait, il y a des... Catherine, donc. Catherine, oui. ce que disait Catherine, c'est que dans cette communauté, il y a des tracts, et ce sont des tracts bien particuliers. Et les tracts, ils ne sont pas donnés, qui sont vendus, j'ai l'impression. Ils sont vendus. Oui. On donne ce qu'on veut. Qu'on distribue au grand public parce qu'il y a une littérature cachée aussi. Oui, il y a ceux qui sont distribués au grand public, oui. Et ceux qui sont internes de la communauté, en fait. Alors, cette jeune femme était, regard extraordinaire, voilà, oui, elle a pratiqué sur moi le look of love, qu'on appelle, c'est-à-dire le regard d'amour. Le cough love. Non, le look of love. Le look of love, excusez-moi. Voilà. Regardez. Ah, je prononce mal. Non, c'est pas ça. Pas le même accent, moi j'ai un accent un peu pointu, vous êtes de Gironde aussi, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, c'était pour... Elle, par son regard, son regard chaleureux, tout ça, elle m'a capté. Un jour, cette jeune fille en question vous annonce qu'elle doit changer de région, parce qu'elle doit changer de communauté, et là, vous avez le choix, soit vous la perdez, soit vous la suivez, vous décidez de la suivre. Je l'ai suivie. Vous avez fini par la suivre. L'amour, c'est une chose, mais enfin, quand même, vivre dans un mouvement sectaire, ça en est une autre. Vous étiez croyant à ce moment-là, vous cherchiez quelque chose de spirituel? Oui, voilà, j'ai toujours cherché Dieu. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a... Bon, il n'y a pas que le fait qu'elle me regarde et tout, c'est par rapport à ce qu'elle m'a proposé. Donc, vous avez des relations amoureuses avec cette femme? Oui, j'en ai eu, oui. Quel a été le premier geste que vous avez dû faire en arrivant dans cette communauté? Vous avez parlé d'une feuille révolutionnaire. Oui, il y a en fait, on a une feuille qui s'appelle une feuille révolutionnaire. Révolutionnaire. Oui, révolutionnaire, dans le sens où on donne tout pour l'amour du Christ. En fait, on donne tout à la communauté, quoi. Qu'est-ce que vous avez signé exactement comme papier? Mais c'est un papier où on montre que tous nos biens, en fait, appartiennent à la communauté. Mais qu'est-ce que vous donniez, ce que vous possédiez, vos revenus? Oui, à l'époque, j'étais au chômage. Et donc, toutes les allocations? Les allocations de chômage, je leur ai tout donné, quoi. 2 ans et demi plus tard, vous avez décidé de quitter ce groupe. Pourquoi vous avez enfin ouvert les yeux? Qu'est-ce qui vous a fait ouvrir les yeux? Mais je suis tombé amoureux. D'une autre femme? Oui, je suis tombé amoureux d'une Américaine. Avec un regard... Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, la première fois que je l'ai vue, parce que bon, je revenais justement de Bordeaux, où j'avais récupéré de l'argent de mes allocations chômage, et je l'ai vue par l'encadrement de la fenêtre qu'il y avait sur le côté, hein, juste avant. Et c'est vrai que ça a fait un flash. Et c'est elle qui m'a ouvert la porte, tout ça. Et bon, elle n'est pas restée de suite avec moi parce que... Enfin, elle a parlé un petit moment, mais elle est partie de suite parce que justement, il y avait, comme elle disait, un poisson qui venait la chercher. C'est-à-dire une personne qu'elle avait contactée. On peut être précis. Donc, il y a le berger, il y a les moutons, il y a les poissons. Ouais. C'est l'arche de Noé. C'est presque l'arche de Noé. Les poissons sont pêchés ou sont pêcheurs? Non, les poissons, ils sont pêchés en premier. Premier du terme. Ils sont pêchés d'abord. Voilà, mais bon, en fait, le... Et après, ils vont pêcher eux-mêmes. Ils peuvent. Vous avez été pêché, vous? Moi, j'ai pratiqué le flirt fishing, moi, aussi. Ça, c'est sûr. Je suis allé... Vous avez été... J'ai rencontré... on allait dans des parkings, on allait aussi, effectivement, de maison en maison. Ouais. Et on allait... Vous alliez à la rencontre de personnes, vous avez séduit des femmes, vous-même? Oui, parce qu'en fait... Pardon, excusez-moi, juste pour être précis, oui. M'arrêter si je vais trop loin. Oui. Seules les réponses sont impudiques. Vous avez couché avec ces femmes? Oui. Vous les avez ramenées ensuite dans la secte? Je les ai ramenées, mais elles sont pas forcément restées. Mais ça a été des personnes, en fait, qui par ce moyen, ont donné des dons. En fait. En tout cas, ça vous est resté comme habitude, parce que c'est quelque chose d'assez étonnant, et vous nous le racontez avec beaucoup de franchise. Je pense que c'est important que tout le monde se rende compte jusqu'où on peut, comme vous le disiez tout à l'heure, garder des souvenirs de ce qu'on a reçu comme éducation, et le pratiquer, ou y croire, ou le pratiquer à nouveau, plus tard dans sa vie. Vous avez gardé une habitude, après être sorti de cette secte, alors que vous étiez marié, plutôt difficile normalement à conjuguer avec le mariage. Oui, c'est-à-dire que même en étant avec ma future femme, parce qu'on n'était pas mariés, on s'est mariés quelques années après, je pratiquais effectivement le flirty fishing. Vous n'étiez plus dans la secte? J'étais plus dans la secte. Mais pourquoi vous pratiquiez le flirty fishing?
Moi, j'appellerais ça tromper sa femme. Enfin, mais il n'y a pas de, il y a pas cette notion-là, en non, fait. Non, non, c'est sûr, ça c'est. Oui, mais il n'y a pas cette notion de tromper, justement, non, non. Puisque oui, tout le monde. Alors, c'était dans quel but? On aimerait comprendre. Mais moi, en fait, c'était dans le but sincère de pouvoir montrer l'amour de Dieu, l'amour du Christ, à ces personnes. Alors donc, peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'inconsciemment... Je sais de résumer. Vous aviez quitté cette secte. Ouais. Et puis vous avez une deuxième révélation. Je précise que vous n'avez pas perdu vos croyances pour autant. Non, en fait... Qu'est-ce qui vous avait déçu dans la première secte, en fait? C'est difficile à comprendre. Je voyais que, en fait, j'avais pas de famille. Parce que tout est, comme elle disait, en fait, tout est communautaire. C'est-à-dire que les enfants, c'est nos enfants. Les femmes, on peut toutes les avoir, on appartient à tout le monde. Mais en fait, on n'a rien à soi. Ouais. Et c'est pour ça que, bon, mais, j'ai tout laissé tomber. Mais d'un autre côté, bon... Vous gardez cette sensibilité, en tout cas, puisque quelques temps après, vous avez une deuxième révélation. Oui, c'est-à-dire des collègues vous parlent d'études bibliques, et là, vous retrouvez des personnes avec un discours sur la spiritualité, ça vous plaît. Oui. Vous adhérez à leur mouvement, vous vivez selon leurs règles. Vous étiez plus méfiant que la première fois? Non, parce que c'était tout à fait différent. C'est-à-dire, j'ai connu l'extrême. Sans sexualité, par exemple, sans... Ah non, du tout. C'est tout le contraire. Ah, sans du tout de sexualité, là, pour le coup. Là, c'est vraiment... Il y a énormément d'interdits. Et c'est vraiment le contraire de la communauté où j'étais. Ça va jusqu'à ne pas fumer, quoi. Ne pas fumer, ne pas boire d'alcool... Ne pas commettre la fornication, l'adultère, ne pas pratiquer toutes les fêtes. Noël, donc, les anniversaires. Noël, les anniversaires. Pourquoi pas? Pourquoi non? Parce que c'est lié à des cultes païens. Et donc c'est rejeté. Ce sont les interdits et, par cette église. Et les obligations? Alors les obligations, par contre, il y en a beaucoup. C'est le fait de se réunir hebdomadairement, 5 fois par semaine. Donc à cette. D'organisation. Mais les gens ont un travail à côté? Et en plus, oui, ils ont un travail en plus. D'accord, 5 réunions par semaine, oui. 5 réunions par semaine, prêcher le samedi matin, le dimanche matin aussi. L'après-midi, on avait donc une autre réunion. Enfin, en tout cas, tout votre temps libre était pris, j'ai l'impression. Ah oui, et en plus, on nous incitait à en faire toujours plus. Mais alors, votre femme, si j'ai bien compris, elle a été victime indirecte du flirty phishing? C'est-à-dire qu'elle vous a vu faire du flirty phishing, cette femme avec qui vous êtes encore aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire que moi, quand je suis... C'est vous, madame? Oui, vous c'est ça. Vous dites oui ou non, avec le micro? C'est ça. Non, en fait, j'ai été au courant par la suite, parce qu'il me l'a avoué forcément, mais pas sur le moment. Et... Qu'il l'avait fait pendant qu'il était avec vous? Mais pendant qu'il était avec moi. D'accord. Exactement. Mais alors, vous l'avez rencontré à quel moment, en fait, exactement? Quand il sortait de la première d'accord. secte. Donc vous l'avez accompagné dans la deuxième? Dans la deuxième, oui. Par amour? Oui, bien sûr, mais... Avec autant de confiance que lui? Mais non, pas autant, parce que moi, j'étais pas aussi spirituelle et je me suis pas autant impliquée. Mais oui, je l'ai suivi pendant 15 ans. Combien de temps? 15 ans. 15 ans? Oui. Combien de temps vous êtes resté dans la première secte? Je suis resté 2 ans. Et la deuxième? Et 15 ans, après. Alors, vous étiez véritablement très convaincu. Était-il aussi très convaincant? Ah oui, très... Puisqu'il a entraîné pas mal de monde de la famille. Qui ça? Ben des oncles, des tantes, son frère, le père de mon gendre, qui est là. J'ai quand même 14 membres de ma famille dedans. 14 dont le père de mon gendre, là, qui est derrière, qui ne voit plus d'ailleurs depuis 3 ans, 4 ans même. Votre gendre est derrière, son père est toujours dans la salle. Il n'a pas vu sa petite fille, et il ne va pas voir celle qui va naître. Et voilà, tout est comme ça. Si vous êtes, si vous restez dans ce groupe, dans cette organisation, à la limite, tout va bien, puisque tout tourne autour. S'il y a une coupure, quelle qu'elle soit, parce qu'il y en a une des personnes qui décide de quitter, ou qui est exclue, ce qui est pareil d'ailleurs, parce que vous vouliez sortir volontairement ou involontairement, vous êtes considéré comme exclu. Et donc, on ne vous parle plus. Je vais bousculer un peu le conducteur, je préviens la régie, vous inquiétez pas. On va regarder d'abord le reportage qui concerne Antoine avant de voir celui qui concerne Flora, parce qu'il me semble plus être en rapport avec ce que vous êtes en train de dire à l'instant. Quand on parle de famille, vous réagissez comment, vous? Oui, c'est la même chose. Moi, pour le moment, j'ai perdu une grande partie de ma famille. Mes parents, j'ai des frères et des sœurs qui sont encore dans la communauté. Mes oncles, mes tantes. Votre fille?
J'ai ma fille qui vient d'y retourner. Vous êtes né dans cette communauté, vous ? Moi, je suis né. Votre fille est née également ? Ma fille est née dans la communauté. Quand vous en êtes sorti, on verra comment, en allant prendre un boulot à l'extérieur, en vous rendant compte quand vous avez menti, etc. Vous avez réussi à faire sortir votre fille ? À quel âge ? Quand je suis sorti de la communauté, je n'ai pas pu voir ma fille pendant 3 ans. Il a fallu que je passe par des centres sociaux pour pouvoir la voir. Et il a fallu aller jusqu'à ce que la mère obtienne une condamnation... Que la mère soit condamnée. Que la mère soit condamnée avec sursis. Et là, à partir de ce moment-là, elle m'a donné la fille. D'accord. Vous l'avez eue près de vous pendant combien de temps, votre fille ? Donc là, elle avait 5 ans à peu près. Jusqu'à 14 ans, j'en avais le droit de garde. Et à 14 ans, elle a demandé à venir vivre chez moi. Et malheureusement, on va voir que ça s'est mal terminé. Depuis 6 mois, elle est entrée à nouveau à l'intérieur de cette secte. C'est un reportage d'Estelle Gide et de Stéphane Rampillon. Donc voilà, ici c'est leur salle de culte, c'est ici qu'ils se réunissent. Donc je venais, donc, j'étais dans la secte. Par contre maintenant, ben, j'ai même plus le droit de passer le portail. Je suis excommunié, je suis un diable pour eux. Eux pensent être vraiment les seuls qui seront sauvés de l'enfer à la fin du monde, et qui vivront donc la vie éternelle, le paradis. Antoine est né dans une communauté religieuse ultra-traditionnaliste. Il y est resté enfermé jusqu'à l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, après plus de 15 ans, le traumatisme est encore intact. Il lui suffit d'apercevoir au loin 2 membres de l'église pour que la peur se réveille. En France, plus de 1500 membres vivent reclus dans leur maison, isolés du monde et de la vie moderne. En 2005, les services du Premier ministre donnent l'alerte sur les conditions de vie de ses fidèles, et plus particulièrement des enfants. Seule une dizaine d'entre eux ont pu s'échapper. Aujourd'hui, ils témoignent de ce qu'ils ont subi lorsqu'ils transgressaient un interdit, lire le journal, faire du sport ou même déjeuner avec quelqu'un du monde impur. Moi, le souvenir le plus mauvais, ça a été la fois où j'avais mangé à la maison de retraite. On avait fait une sortie à la maison de retraite. Et ma mère, quand elle a appris ça, elle m'a fait asseoir, enfin, à genoux, et elle m'a dit, bah, demande pardon au Seigneur devant elle. Et bah, je sais pas, ça fait vraiment de la peine, puisqu'on sent vraiment qu'on a fait une faute. Alors que je voyais pas le mal que j'avais fait de manger avec mes camarades. Moi, j'encaissais. Bon, de temps en temps, je craquais. Bon, je pleurais, j'étais seul dans ma chambre, ben, je pleurais. Puis ben, ça allait mieux, forcément, quand ton père se fait du bien. C'est un système qui est fait pour t'embrigader. C'est pour un endoctrinement. Un endoctrinement pour te vider, le cerveau, tout simplement. Hein. Que tu puisses pas réfléchir toi-même et que tu puisses pas t'évader nulle part. La plus grande victoire d'Antoine, c'était d'avoir sauvé sa fille des griffes de la communauté où elle vivait avec sa mère. Mais il y a 6 mois, un drame se produit. Donc là, voilà, c'est la maison où vivait ma fille avec son amie, qu'elle a quittée du jour au lendemain en laissant juste une lettre. Tu ne comprendras pas, mais je retourne vers le vrai amour, l'amour pur. Voilà les derniers mots de Mirabelle à son père avant de s'enfuir. Elle est partie dans la secte du jour au lendemain sans juste ce petit mot. Sans aucune explication, juste ce petit mot. Antoine était très proche de sa fille. C'est aujourd'hui un père déboussolé qui n'a rien vu venir. Mirabelle était très attachée à sa liberté. Pour lui, son retour dans la communauté est incompréhensible. Ben voilà comment il va falloir qu'elle s'habille maintenant tout le temps, alors qu'elle aimait bien tout ce qui est coquet, quoi. Elle était très coquette. Je pensais pas qu'elle retourne un jour dans la secte. Quand on en parlait, elle en rigolait. Elle trouvait que c'était complètement loufoque. Je comprends pas, quoi. Si Antoine se raccroche autant aux affaires de sa fille, c'est que c'est tout ce qui lui reste d'elle aujourd'hui. Je pense qu'ils ont vraiment mis le grappin dessus et que je n'enverrai plus ma fille. Je ne serais pas surpris qu'il la marie à l'étranger et j'ai plus aucun moyen en fait même d'aller la voir, quoi. Le plus dur, c'est ça, c'est d'être obligé de faire le deuil de quelqu'un qui est encore en vie. Ça, c'est impossible, quoi. Ça... Essayer de sauver sa fille, Antoine décide d'aller voir les membres de sa famille encore embrigadés
isolés du monde, enfermés dans leur maison. Première étape, chez ses parents. Ben, j'ai sonné et ben, y a personne qui m'a ouvert. Parce qu'ils m'ont vu arriver, qu'ils sont cachés. Ils n'ont pas le droit de me parler. On peut avoir des soucis avec la secte, on peut être obligé d'avoir des punitions, des choses comme ça. Pas de contact avec l'extérieur. Même ses propres parents respectent les consignes et laissent Antoine sans nouvelles. Il tente d'obtenir des informations chez son frère. Cette fois, on lui ouvre la porte. Ça va ? T'as une jolie maison que j'ai jamais visitée. Là, frère, pas visité. T'as des nouvelles de Carmel ? Pas récemment, mais moi aussi, elle va bien. Hein. Là, je pense que vous avez fait un sacré bourrage de crâne pour arriver à la faire partir. Mais non, mais... Ah bah bien sûr que si. Strictement rien n'a été fait. Oui, ah bah alors ça... Non, mais écoute ce que j'en fais, strictement. Alors ça, là, tu la feras avaler à d'autres, mais pas à moi. Eh bah écoute. Elle est où ? Elle est à Toulon. Sa fille serait à Toulon. L'indice est précieux et redonne courage au papa malheureux. Voyage de l'espoir. Avec la petite lumière au bout et puis serrer ma fille dans mes bras. Ce qui me fait peur, c'est que ce ne soit plus la fille extravagante que je connaissais, pleine de vie. J'ai peur de la sentir malheureuse. À Toulon, Antoine va directement frapper chez sa sœur, elle aussi adepte de la communauté. Il est persuadé que sa fille est cachée chez elle. Y a quelqu'un ? La porte ne s'ouvre pas. Pour ces religieux ultra-radicaux, les lois d'enfermement sont plus fortes que les liens du sang. Sa fille continuera à vivre cachée parmi les autres membres. Antoine, l'adepte sorti de la soumission, a décidé de se battre dehors pour ceux qui sont à l'intérieur. Aide à la réinsertion, conseil aux familles, il a même participé à une commission d'enquête parlementaire sur la maltraitance des enfants au sein de ces communautés, pour que d'autres parents ne vivent pas son cauchemar. Depuis le reportage, bonne nouvelle, vous avez réussi à revoir votre fille. Depuis le reportage, bonne nouvelle, oui, j'ai réussi à voir ma fille, que je n'ai pas reconnue sur le coup. Mais comment vous l'avez revue nous... Comment vous avez réussi à la retrouver? Ben, je suis retourné devant chez ma sœur. Et en fait, effectivement, ils n'étaient pas là de la journée et ils sont rentrés le soir. Et donc là, ben, je l'ai vu, quoi. Et sur le coup, je ne l'ai même pas reconnu. J'ai dit, mais c'est elle ou c'est pas elle? Elle avait changé de tenue vestimentaire. Donc ses robes longues, son foulard sur la tête, ses cheveux longs et tout. J'ai hésité un moment à savoir si c'était elle. Ça faisait combien de temps que vous ne l'aviez pas vue? Voilà, ça faisait depuis le mois de mars. Et vous ne l'avez pas reconnue? Non. Elle vous a vu, elle aussi? Elle m'a vu. Et à ce moment-là, quand elle m'a vu, elle s'est avancée vers moi. Donc là par contre, quand elle s'est tournée vers moi, là, oui, quand même, je l'ai reconnue. Elle était contente de vous voir enfin, Elle a été très contente de me voir, oui. Elle a quand même pu venir me parler, on a pu discuter un moment. Ça s'est très bien passé, mais bon, elle m'a pas fait... Enfin, je suis juste rentré dans la cour de ma sœur, pas dans la maison. Vous avez discuté avec elle pendant combien de temps? Bon, ça a duré à peu près une heure et demie. Qu'est-ce que vous êtes dit de plus important? Moi, j'ai dit que je l'aimais. J'étais très malheureux de l'avoir retourné là-bas, dans cette secte. Et là, elle m'a dit, mais papa, tu peux pas comprendre, c'est pas une secte. Et je suis heureuse là où je suis. Ça, moi, j'y crois pas, mais bon. Comment fonctionne ce mouvement exactement? Quels sont les interdits? On a parlé tout à l'heure avec Pascal d'interdits, d'obligations. Bah, les plus gros interdits, c'est de ne pas manger et de boire avec ceux qui ne font pas partie de cette communauté. Même un verre d'eau, elle ne peut pas le partager avec moi, ma fille, maintenant. Je ne peux pas partager un verre d'eau avec ma sœur, avec mon frère, qui font partie de la communauté, parce que j'ai deux frères qui en sont sortis. Mais... Pas le droit à l'information. Même pas un verre d'eau, quoi. Puis pas l'information, donc pas la télé, pas la radio, pas l'informatique, pas de téléphone portable, tout ce qui est ouvert sur le monde extérieur, qui pourrait donner une ouverture sur le monde extérieur. Mais si jamais votre fille commet une infraction, par exemple, à ces règles? Ben, si elle commet une infraction à ces règles, il y a plusieurs systèmes de punition qui sont en fait l'humiliation morale, quoi, la confession. Comment ça se passe en public? Concrètement,
Si c'est une petite erreur, c'est la confession devant les parents. Donc ça, c'est si elle a partagé un verre d'eau, par exemple, avec quelqu'un? Ouais, par exemple, ouais. Mais si elle en partageait un deuxième, si elle récidive, là, ça serait confession publique devant toute l'assemblée. Il peut y avoir 250, 300 personnes. Ou elle dit, voilà, je suis trop, j'ai pas bien. Il faut qu'elle dise, voilà, j'ai fait ça, j'ai bu un verre d'eau. Et à ce moment-là, elle est montrée du doigt, elle va être... Il y a des punitions qui vont avec, ensuite, encore après? Ben après, il peut y avoir des punitions, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'ils appellent l'enfermement. Vous êtes isolé à l'intérieur de la famille. Vous ne pouvez plus manger avec vos parents ou avec, même avec ceux qui en font partie. Vous êtes complètement isolé. Et si ça va plus loin, après, vous êtes exclu, quoi. Comme moi, après, c'est excommunié, quoi. Mais exclure, pour vous, c'est plutôt un point positif. Vous êtes content d'être dehors? Oui, mais ceux qui ont envie de rester, c'est un point négatif. Et ceux qui sont à l'intérieur croient vraiment détenir la vérité et la lumière. Alors que nous, enfin, moi spécialement, j'ai rejeté la lumière. Alors, non, mais nous, vous dire nous, hein. Non, mais moi spécialement, j'ai rejeté la lumière. Donc, vous, à la limite, ils vont considérer que vous n'y avez pas eu accès. Non. Donc, c'est un peu moins grave. Je suis rentré dans la lumière. Voilà, vous êtes... Mais moi, j'ai eu accès à la lumière. Et vous avez rejeté la lumière. Et je l'ai rejeté. Donc, c'est vous dites parfois, Flora, que vous avez échappé à des choses graves, importantes? Oui. Spécifiquement, bah, justement, moi aussi... Le fait d'avoir vu la lumière, c'était pour eux une grande chance. Et après coup, maintenant, je me dis que j'aurais préféré ne jamais y avoir accès. Pourquoi? Ben, parce que j'ai vécu le pire en si peu de temps, si loin d'eux, mais j'ai vécu l'enfer. Mais encore aujourd'hui, vous dites que vous auriez préféré ne pas connaître ça? Il vous en reste des séquelles? Non. Des blessures, peut-être? Oui, des blessures, ça c'est sûr. J'ai été complètement démolie par leurs pensées, par leurs idées. Et tout ce que je sais, c'est que maintenant, je lutte pour prévenir les gens que par n'importe quel moyen, on peut se faire manipuler. Vous luttez aussi pour ne pas y retourner, comme... Non, la fille de je sais que je n'y retournerai plus. Maintenant, je sais que cette expérience qui n'a pas été vraiment bien m'a renforcée. On en parlera avec vous et puis avec ce reportage qu'on verra en détail comment ça s'est passé dans votre famille, avec vos parents qui ont adopté une technique assez étrange puisque vous avez été dans le sens de votre fille, sans l'encourager mais en tout cas sans la juger, jusqu'au jour où pour l'anniversaire de ses 20 ans, vous avez invité des membres de cette communauté à la maison. Et que là, vous avez assisté à une scène d'exorcisme sur votre fille. Est-ce que pour autant, vous avez la certitude que ce mouvement était un mouvement dangereux? Oui. Est-ce que vous avez la certitude que ce mouvement est un mouvement dangereux? Oui, le mouvement est dangereux parce qu'en fait, il vous enlève tout libre arbitre. On vous dit qu'il faut penser ça, donc vous pensez ça. On vous dit qu'il faut penser ça, vous pensez ça. Mais tous les croyants, que ce soit des grandes religions... croient aussi en des choses, on leur dit d'y croire et ils y croient. Oui, mais quelle est la différence? Si on vous dit de faire ça, il ne faudra pas faire autre chose. Il ne faut même pas se poser la question pourquoi. Vous pouvez discuter autour de vous, n'importe qui, on peut débattre. Là, dans cette communauté, il n'y a même pas... Il y a beaucoup d'interdictions, c'est ce qui fait la différence? Il y a beaucoup d'interdictions et puis... Dans tous les mouvements sectaires, de toute façon, ils n'ont aucune ouverture sur les autres et sur l'amour que doit apporter une religion. Et l'ouverture sur les autres n'est pas du tout, puisqu'au bout d'un moment, ils vous attrapent par l'amour. Et après, bon, on ne parle plus que de diable. On ne parle plus que de diable. Oui, ça a été dit tout à l'heure. Je disais, voilà, le discours très enjôleur, une fois qu'on est ferré, finalement, on n'est jamais assez bien. On ne fait jamais assez. C'est plus le même discours. Au début, tout est bien, vous êtes l'élu, etc. Et au bout d'un moment, vous avez quand même du mal en vous et on va vous l'enlever. Moi, j'ai assisté même à des humiliations de ma mère. Il l'humiliait sans arrêt. De quelle façon? Il la dénigrait, que ce soit pour le point de vue intime, que ce soit... elle était bête, elle faisait jamais assez bien. C'était jamais assez, en fait. Elle a tout donné, on n'avait plus rien. Nous, quand on est sortis, on n'avait plus rien. On n'avait plus de meubles, on n'avait plus rien, mais c'était jamais assez. Elle était nulle, en fait. Il la trouvait nulle. Quand on parle de secte, on parle de violence, évidemment. On parle d'emprise, on parle de danger. Mais à partir de quel moment, véritablement, peut-on parler de secte? Toutes les communautés qui ne dépendent pas des grandes religions qui sont connues et pratiquées, ne serait-ce que dans ce pays et dans tous les pays qu'on connaît, sont-elles dangereuses
En quoi les sectes sont-elles dangereuses? On va écouter l'opinion d'Anne Morelli, que je lui demande d'accueillir, s'il vous plaît. Anne Morelli. Bonsoir Anne. Bienvenue. Bonjour. Installez-vous. À côté de Catherine, non, très bien. J'espère que vous serez plus aimable qu'avec le monsieur qui était là. Ah, écoutez, je vais faire de mon mieux. J'espère que vous serez plus aimable qu'avec le monsieur que j'ai reçu tout à l'heure aussi. Vous êtes historienne des religions et professeure à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez enquêté sur les sectes à la suite d'un suicide collectif en Guyane. Au départ, vous étiez persuadée de la dangerosité de ces sectes. M'arrêtez si je me trompe, madame, sans discernement. Mais aujourd'hui, vous nuancez vos propos. Oui, c'est-à-dire que j'étais nourrie, comme tout le monde, de ces récits dramatiques qu'on a entendus maintenant et qui sont réels, évidemment. Il y a des histoires épouvantables de personnes qui ont été abusées par des promesses de guérison, d'autres des abus sexuels, pour d'autres c'est encore des questions de coupure avec le monde extérieur. D'interdiction beaucoup, de punition, d'humiliation. Etc. Donc tout ça est réel et c'est évidemment quelque chose de tragique. Mais au fur et à mesure des enquêtes, je me suis demandé si c'était vraiment spécifique aux sectes. Et donc je me suis rendu compte que toutes ces choses qu'on a exposé aujourd'hui, eh bien, on les retrouvait d'une manière ou d'une autre aussi dans des grandes religions, des gens qui sont prêts à se suicider pour leurs idées. Mais vous avez ça dans des tas de grandes religions. Dans des cas extrémistes, hein, des religions. Ah ben, Masada en Israël, c'est 2000 personnes qui se sont ou qui ont été suicidées. On trouve ça très beau, hein. Non, mais on trouve ça très beau. Pas récemment, oui. Alors, pour récemment, ben, ça pourrait être les Japonais. Hein, le mot kamikaze vient quand même du Japon. Je ne suis pas sûr que tout le monde trouve ça très beau, quand même. Mais on ne lutte pas, en tout cas, contre les religions importantes. On trouve qu'elles sont honorables. On doit apprendre depuis qu'on est petit à les respecter. Et alors, pour les petits groupes, ce n'est pas la même chose. Donc, on peut promettre la guérison par la prière dans un groupe charismatique, par exemple, où on impose les mains. Mais quand c'est un gourou, entre guillemets, alors là, on s'énerve un mais peu. Mais Antoine, par exemple, dont vous venez de voir l'histoire à travers ce reportage et que vous venez d'entendre, eh bien, qui est inquiet pour sa fille, comment vous réagissez? Magnifiquement l'histoire quand il dit ils ne peuvent pas regarder la télé, ils ne peuvent pas avoir des GSM, ils ne peuvent pas bel et chartreux non plus, vous savez. Et il ne faut pas croire qu'ils mangent de manière saine. Ils n'ont les pas un petit. Les chartreux naissent rarement dans le mouvement. Oui, mais la question madame. Sera de savoir à quel moment on peut en sortir et entrer. Et je crois qu'un certain nombre de gens qui ont fait le choix des ordres religieux, par exemple, il y a un moment où ils auraient bien voulu sortir, mais ils en ont été empêchés aussi. Tant que vous ne faites pas la confusion entre, par exemple, le mouvement musulman, la religion juive, et puis les islamistes et les extrêmes de toutes eh bien, sortes, moi, tant je qu'il n'y a pense, pas de confusion. Moi, je pense que on peut trouver des braves types et des crapules dans tous les groupements humains. Et qu'on trouve des braves types et des crapules dans ce que vous appelez secte. Et moi, vous appelez nouvelle pas ça secte, vous nouveau gourou, j'aime pas beaucoup. Parce que la limite, selon moi, c'est un peu comme l'équateur. Vous savez, on vous dit, vous allez passer l'équateur et vous ne voyez rien par terre. Eh bien, parce que c'est une ligne imaginaire. Et là, je crois qu'est-ce que vous en pensez, Catherine, vous ? Non, je pense qu'effectivement, je partage votre idée sur le fait que dans les communautés religieuses du livre, il y a des dérives sectaires. Et la mission que je représente aujourd'hui va à l'encontre de ces dérives. Parce que lorsqu'on entend le témoignage de Catherine qui décrit un viol, on n'est pas du tout dans le cadre d'un fonctionnement normal, d'une religion où finalement tout se passe bien dans le meilleur des mondes. On est dans une dérive, c'est-à-dire une infraction pénale commise sous emprise mentale d'un individu qui met les autres à sa botte sous sa domination. Et ça, c'est quoi, une dérive. Dans le cas d'Antoine, de Sylvie, de Pascal. Alors, je ne peux pas rentrer sur tous les cas en particulier, mais si on reprend les critères, là, je trouve que tous les témoins ont décrit l'ensemble des critères retenus dans le cadre de la vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires, un enfermement et un isolement familial, social, professionnel, un embrigadement et, enfin, le cas de Catherine pour les enfants, l'embrigadement des enfants, ces enfants qui n'ont rien demandé, alors, qui Anne sont vous fragiles. Répondra, oui, mais certains religieux sont enfermés
fermée, etc., on pourrait parler de dérive sectaire, en gros. Par exemple, c'est de la provocation, vous pensez vraiment? Non, par exemple, ce sont des adultes consentants. Alors, oui, ils le choisissent. Des adultes consentants, il n'y a pas de problème. Mais la Pascal, par exemple, le conditionnement des enfants, c'est le cas des grandes religions aussi, hein. Moi, je peux vous raconter encore par cœur un certain nombre de prières, tellement on y a été fort dans le conditionnement. Non, mais dans la pratique générale de ces religions, en tout cas, ça ne se pratique pas aujourd'hui. Mais par exemple, Pascal, qui est un adulte consentant, quand il rentre dans ce qu'il appelle, lui, une secte ou dans un mouvement sectaire, pour vous, à partir du moment où il est un adulte consentant, il fait le choix qu'il veut, quoi, enfin. Je pense que dans notre société, le masochisme n'est pas un délit. Et donc, il y a des gens qui aiment bien, se fouetter. Non, je suis désolée, madame. Il y a des mouvements religieux où les gens se fouettent. C'est leur problème, je les laisse libres s'ils sont adultes. Qui veut en discuter avec eux? Je ne suis pas d'accord. Ça se discute. Je ne suis pas d'accord parce que moi, je me suis fait manipuler. J'étais largement majeure et je n'étais pas consentante. Vous avez entendu l'histoire de madame tout à l'heure. La personne à qui j'ai eu affaire m'a violée. Et autre chose sur laquelle je voulais réagir, parce que vous avez dit pourquoi les petits groupes sont dangereux, eh bien moi, je ne me suis pas méfiée parce que cette personne-là avait créé autour d'elle un petit groupe, et je n'ai jamais pensé que j'étais dans une secte ou que c'était un groupuscule sectaire, justement parce que c'était un petit groupe et aussi parce qu'il ne m'a pas coupé de mes parents. Et Catherine insistait aussi en préparant cette émission sur le fait que maintenant, ce qu'on appelle ces mouvements à dérive sectaire étaient de plus en plus sous la forme de petits groupes comme cela. Oui, justement. C'est plus difficile à cerner. Les petits groupes, les petits groupes religieux, c'est un peu comme des petits entrepreneurs indépendants de la religion par rapport aux grandes multinationales. Et selon moi, c'est extrêmement dommageable quand il y a 39 personnes qui se suicident, mais c'est rien à côté de ce qui se passe en Inde aujourd'hui entre les hindouistes et les musulmans qui, eux, s'égorgent de manière beaucoup plus... Oh, mais je ne pense pas qu'en dénonçant les sectes... Des religions, important. En dénonçant les sectes, on ne fait pas l'apologie de la guerre des religions. Après, etc. Non. Eh oui. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose? Non, est-ce qu'il y a réellement une échelle de la souffrance? Chacun a son histoire et chacun a ses souffrances là-dedans. Après qu'un adulte rentre tout seul, ma mère fait partie d'un autre groupe, mais bon, voilà, ça la regarde, c'est son problème, elle s'est mariée dedans, voilà. Il y a aussi des adultes... Non, mais ça ne me touche pas, mais ça ne me touche enfant, pas. Mais comme enfant, c'est terrible, mais c'est terrible aussi les enfants qui sont victimes de prêtres pédophiles. Oui, mais je suis d'accord. Qui a dit le contraire, madame? C'est pas spécifique. Non, mais Anne, qui a dit le contraire? C'est pas spécifique de la secte. À l'intérieur de quelque chose, moi, la secte dont je faisais partie, c'était réellement, le sexe était réellement un dogme, mais comme je l'ai dit au départ, je l'ai précisé, et tout le monde le savait, tous les adultes qui rentraient dedans, mais enfin, moi, je voudrais même dire que c'était même un repère à pédophile, parce qu'attendez, vous rentrez dans un groupe religieux, vous tapez des gamines, je parle vulgairement, je suis désolée, c'était un peu ça, c'était aller avec des gamines de 14 ans et être béni par Dieu. Vous vous rendez compte? Mais il y a des vocations, c'est pour se taper des petits gamins. Moi, j'ai connu ça, je l'ai vécu, ça. Pascal, vous voulez dire un mot? Boston est en faillite à cause du nombre de prêtres pédophiles. Je suis extrêmement choquée. En tant que magistrat, je suis extrêmement choquée par ce que j'entends à côté de moi. D'accord. Il y a des viols. Il y a des viols. Il y a des victimes. Eh bien, oui. Il y a des gens qui expriment leur souffrance. Et il faut accuser. Et vous semblez légitimer. Non, pas du tout. Dans l'exercice de mon ancien métier, j'ai été amenée à m'occuper de prêtres pédophiles, parce que oui, il y en a. Mais l'institution religieuse a dénoncé ces prêtres. Voilà, elle les a couverts souvent pendant de longs mois. Bon, elle l'a fait, en tout cas. Je parle de mon expérience personnelle. Les faits ont été dénoncés par des autorités religieuses qui n'ont absolument pas couvert ces faits et qui n'étaient pas institutionnalisés, qui n'étaient pas contenus dans la doctrine. Voilà. C'est très différent de ce que... Non, mais c'est comme si on parlait quand même, c'est comme si aussi on parlait un petit peu, je sais pas, en disant le sida est une maladie terrible et vous arrivez en disant oui, mais on a quand même pas beaucoup parlé du cancer, quoi. Non, ça n'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'on a deux poids et deux mesures. Quand c'est des petits groupes, on y va à fond, on dit c'est des escrocs. D'accord? Il y a des escrocs, mais il y a aussi des gens honnêtes, désintéressés. Et dans ces groupes, on a aujourd'hui vu que des gens qui étaient malheureux dans ces groupes. Mais il y a plein de gens qui y sont heureux. Et ceux-là, on ne les entend jamais. Monsieur vous a dit que pendant 15 ans, il a été heureux. Hein. Naturellement,
évidemment, ça ne fait pas un bon titre. Si vous dites « Je suis heureux dans mon groupe », ça ne fait pas un bon Je suis heureux livre. Dans mon groupe sectaire, au contraire, madame. Alors, madame, je vous mets à l'aise. Franchement, celui qui fait une émission en disant « Je m'éclate dans ma secte », il fait beaucoup d'audience. Eh bien, ça non, vous, je peux vous en trouver des temps. Ah bah ça, c'est sûr. On peut connaître des moments de bonheur. Ça oui, pas la base, ça. Ma fille en a connu des moments de bonheur. On va passer à l'histoire de Flora. On reste avec tous nos invités. On va passer à votre histoire, Flora. Si je peux me permettre, je voudrais quand même rajouter que un dernier critère, enfin un autre critère, ce n'est pas le dernier malheureusement, qui est très important, c'est celui aussi des exigences financières exorbitantes. Monsieur disait tout à l'heure qu'il donnait tous ses biens à la première communauté dans laquelle il était. Donc c'est un critère... Donc il avait signé un papier révolutionnaire, ça s'appelait comme ça, une feuille révolutionnaire. J'avais trois tantes religieuses, elles ont, avant d'entrer dans le couvent, dû donner une dot importante. Et là, on ne parle pas de. Ah, c'est pour ça que vous en voulez autant à l'Église, alors Non, j'y suis née dans l'Église. On ne parle pas d'escroquerie. Quand c'est le Banco Ambrosiano, quand c'est Monseigneur Marticus, on dit l'Église a des problèmes financiers. Mais quand c'est un petit groupe, on dit oui, mais c'est leur système de base. Non, il y a des braves types et des crapules. Et vous savez quoi, madame, c'est pour cas. Ça qu'on vous a invité, pour vous entendre dire ce que vous êtes en train de nous dire. Et votre voisine est là aussi pour apporter des compléments et un cadre quand elle l'estime. C'est une discussion libre. Et nos invités nous apporter leur témoignage. Allons passer à l'histoire de Floria et de Patricia. Patricia est donc la maman de Floria. Votre fille qui est à côté de vous, vous avez eu peur de la perdre, qu'elle parte avec un mouvement à dérive sectaire. Pour quelle raison vous avez eu peur pour elle? Parce qu'elle n'était plus du tout consciente de ce qu'elle faisait. Elle est arrivée un jour en me disant qu'elle Alors était un ange. Je me fais l'avocat de madame quelques secondes. Étiez-vous sûr qu'elle n'était pas heureuse? Elle a été heureuse pendant un moment, mais dans l'inconscient. Elle n'était plus dans ce monde réel, elle n'était plus dans la réalité. Elle était heureuse parce que les gens l'aimaient, parce qu'il y avait beaucoup d'amour autour d'elle, parce qu'on lui disait qu'elle était la plus importante. On lui a dit que c'était elle qui avait été élue, qui avait, été choisie et qu'elle avait beaucoup de dons, dont le don des langues, le don de beaucoup de choses. Regardons ce reportage, parce qu'au bout d'un moment, vous avez estimé que c'était malheureusement quelque chose d'assez mauvais pour l'épanouissement de votre fils, qu'elle estime également aujourd'hui. Patricia, donc, pour ne pas perdre le contact avec votre fille Floria, vous avez supporté des affirmations que vous avez jugées délirantes, le jeûne, et même une séance d'exorcisme dans votre salon, c'était pour votre 20e anniversaire, et vous aviez invité les adeptes pour justement les laisser entrer chez vous pour pouvoir, je pense, les maîtriser. C'est un reportage de Virginie Ders et de Guillaume Barthélémy. Je brûle la Bible et le dernier objet qui me reste d'un passé que je veux oublier. Ouais, je brûle un peu l'enfer, l'ancienne Floria. Celle qui s'est faite avoir par des gens que je ne veux plus voir. Pour moi, c'est vraiment symbolique. Ça part en fumée et les souvenirs mauvais avec. Il y a encore 3 ans, Floria était une jeune fille sans histoire. Mais une simple rencontre va tout faire basculer. Au cours d'un festival japonais, elle assiste à un spectacle d'arts martiaux. Subjuguée, Floria tombe sous le charme de la troupe. Elle n'en a pas encore conscience, mais derrière ses nouveaux amis se cache en fait une secte dangereuse. Moi, c'est vrai que j'ai eu un coup de foudre total pour ces personnes. J'étais vraiment fascinée. Floria veut à tout prix les retrouver. Elle réussit à prendre contact avec le groupe sur Internet. Elle vient de mettre un pied dans l'engrenage. Je me sentais en confiance, j'avais plus de complexes, je me sentais toujours valorisée. Ils me valorisaient tout le temps. Je t'aime, Floria ! Je me sentais protégée, j'étais telle une princesse. Ces jeunes font en fait partie d'un groupe d'évangélistes extrémistes. Floria passe de plus en plus de temps sur Internet. Le processus de manipulation mentale est enclenché. Je mangeais en 2 minutes et je redescendais de suite après à l'ordinateur. Mais des fois, c'était jusqu'à 3 heures du matin. Entre les cours, quand je revenais, je me connectais. C'était de pire en pire. Moi, c'était une vraie drogue. Je sens en moi une mauvaise force qui brûle. C'est peut-être un démon qui est entré en toi. Dieu pourrait te soigner à travers lui. Si je vais chez toi, il faudra qu'on chasse le démon. Mais ça va crier. Après seulement 2 mois, Floria tient des propos incohérents.
Ses proches sont impuissants, les membres de la secte deviennent sa nouvelle famille. Elle les appelait mes frères, mes sœurs, donc... Moi j'avais une chose à dire, c'était mais moi je suis ta sœur, je suis la vraie, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? On a eu le sentiment qu'elle les préférait à nous. Quand elle nous a dit « Maman, je suis un ange », je ne savais pas si je pourrais la rattraper un jour. Totalement endoctrinée, Floria suit à la lettre les consignes de la secte. Incapable de distinguer le bien du mal, elle n'a plus aucune limite. On était des soldats. Tout ce qui était boîte de nuit était à bannir. Les musiques de variété ou autres étaient mauvaises. Il fallait j'écoutais seulement de la musique de Dieu. Mais après, même, c'était par mon propre choix, puisque je voulais faire bien. Est-ce que tu as l'impression qu'ils auraient pu tout te demander? J'avais l'impression, oui. Parce que s'ils m'avaient demandé même de me suicider, je l'aurais fait. Je m'étais offerte, en fait, à ce groupe. Hein. C'était vraiment... J'étais vraiment prête à tout. Notre réaction première, et surtout la mienne, c'était de la réveiller, de presque lui donner une claque ou quelque chose pour lui dire « Tu es là avec nous, où est-ce que tu vas ?» Et c'était pas ça qu'il fallait faire. Les parents de Floria se tournent alors vers une association anti-secte. C'est elle qui va les guider pas à pas pendant près de 6 mois. Une seule consigne, maintenir le dialogue, ne surtout pas braquer Floria, quitte à accepter l'inacceptable. Pour ne pas rompre les liens avec leur fille, les parents de Floria accueillent les adeptes de la secte et leur gourou dans leur propre maison. C'était pour l'anniversaire de Floria, elle fêtait ses 20 ans. Tout le monde rit, tout le monde s'amuse, ce qui fait que Floria était fausse et tout le monde savait ce qu'il en était. Et c'est ça qui est terrible, ça a été une pièce de théâtre ce soir-là. Mais qu'on pouvait pas. On avait fait ce choix. C'était le choix de les recevoir ici pour pas qu'elle aille là-bas. L'ambiance paraît bon enfant, mais après quelques heures, l'impensable se produit. Le gourou a convaincu Floria qu'elle était possédée par les démons. Il improvise une séance d'exorcisme dans le salon familial. Donc ils l'ont posée là par terre. Ils ont demandé à un ami qui était là de la tenir par les épaules. Ils ont commencé à dire « Satan, sors de ce corps, sors de ce corps ». On criait, on disait « C'est pas possible, c'est pas possible ». Et plus elle se mettait à hurler, à bouger, mais comme quelqu'un qui est possédé, quoi. J'arrivais plus à réfléchir, donc j'ai été totalement manipulée. Moi, je suis partie en transe dès le départ. J'avais des mouvements incontrôlés. Ça me fait peur quand même maintenant de me dire mais j'étais à ce point-là. C'était... Quand on sent que sa fille vous échappe comme ça, on a l'impression d'un enlèvement, d'un rapt. C'était tout son esprit qui n'était plus là. Et pour une maman, arriver à ne plus capter ce qu'il y a dans les yeux de son enfant et être invisible pour elle, c'était énorme. Et pour moi, ma fille était morte. Quelques jours plus tard, Floria décide de faire ses valises. Elle veut rejoindre les autres adeptes et vivre avec eux. Il y avait deux solutions, où elle partait. À ce moment-là, la famille, c'était fini. Elle partait et on perdait une fille. C'était un choix, on ne l'a pas adopté. Donc, à ce moment-là, eh bien, stop. Elle a été dans sa chambre. On l'a un petit peu aidée à s'endormir un petit peu pour qu'elle se calme. Et puis, on a verrouillé la chambre. On l'a carrément séquestrée. Pendant plus d'une semaine, les parents de Floria enferment leur fille. Toute la famille se relaie pour imposer à Floria un véritable sevrage. Pendant le sevrage, les réactions de Floria ont été très violentes. Comme tout drogué, c'était des soubresauts, des tressautements. J'étais en manque, je suppliais ma mère de dire, je lui disais « mais s'il te plaît, je veux juste leur parler une minute, juste les avoir, les voir, je veux juste ça. » On se disait « là, c'est... ça y est, ça passe ou ça casse, quoi. Il fallait le faire, on l'a fait. C'était plus, on pouvait plus reculer. » Je voulais presque agir en lâche et rester égoïste et en finir avec la vie. Ses parents ont eu raison. Floria retrouve peu à peu ses esprits. Mais elle sort de cette période totalement brisée. Il y a encore quelques mois, elle était incapable de sortir seule dans la rue. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, elle ose à nouveau affronter le monde extérieur avec Marion, sa meilleure amie. Même si ça a été dur, maintenant, aujourd'hui, t'es quand même mieux, quoi. Ah oui, mais hein? Même beaucoup mieux qu'avant, beaucoup mieux que...
qu'au début, quoi. Le même... J'ai appris justement à me reconstruire. Et... Aujourd'hui, je reprends les choses petit à petit. Je peux peut-être pas encore dire que je vais sortir dans la rue toute seule, sans avoir aucun a priori et être vraiment heureuse de sortir. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai quand même beaucoup plus envie d'aller dans les magasins, C'est l'envie maintenant qu'elle a retrouvée, qu'elle avait perdue. Aujourd'hui, entourée par ses amis, Floria reprend petit à petit goût à la vie. Il y a une joie de vivre hallucinante, là. C'est... Quand on l'appelle, on lui dit « Ouais, on fait une soirée ce soir chez un ami. Ouais, je viens tout de suite. » J'essaie de vivre tout simplement et c'est le plus important pour moi. Et en plus, je trouve ça bien. Ça fait du bien de dire « Ça y est, je suis revenue. » Past the infatuation phase. Est-ce qu'il vous arrive parfois, Flora, de vous dire que vous étiez plus heureuse ailleurs quand vous étiez avec eux ? Non. Il m'avait... Je réfléchissais plus, en fait. Je réfléchissais que par leur façon de penser. Et quoi qu'il en soit, dès que j'étais pas bien, dès que j'étais mal, c'était... Il y avait toujours une raison et justement, j'allais la chercher chez eux. J'allais demander pourquoi j'allais pas bien. Il y avait toujours une réponse que le chef ou l'un des autres m'apportait toujours, et c'était toujours... Le chef, il avait quel âge? C'était quel type de personne? Il avait 22, 23 ans. D'ailleurs, quand on les a vus rentrer dans la maison, c'est vrai qu'on les attendait avec pas mal de haine. Et quand j'ai vu tous ces jeunes qui sont rentrés dans la maison, j'ai dit, c'est ma fille, ce sont les mêmes. Bon, à part celui qu'on appelait le gourou. Mais les autres avaient son âge et je pense qu'ils étaient... Je vous sens fragile encore un peu, Flora, quand même. Hein, vous tenant la main de votre maman, la façon dont vous parlez, etc. Revoir ces images-là, ça vous secoue? C'est pour vous en défaire une bonne fois pour toutes? Oui. C'est une étape de plus à franchir. Ouais, on n'en sort pas comme ça du jour au lendemain. Hein. J'ai mis plus de 2 ans, quand même. Puis il y a eu cette semaine terrible, donc après cette séance d'exorcisme, vous avez fait le choix de ne pas vous y opposer, de les laisser aller au bout de leur jeu, mais après... Floria a voulu partir pour rejoindre ses nouveaux amis. Là où vous vous êtes opposée à son départ? Son papa. Son papa. Oui. Vous, collectif, les collectif, parents. Collectif, surtout, ouais. Parce que nous étions 3 dans cette histoire, plus tous les amis, et on a été énormément entourés. C'est dur de séquestrer sa fille, qui a une vingtaine d'années. Très dur. De la laisser pendant une semaine dans sa chambre. Très dur, surtout quand elle crie, quand elle bouge sur le lit, quand elle vous dit « Laisse-moi partir, maman, j'ai besoin d'eux ». Je suis une ancienne infirmière et j'avais en face de moi une droguée qu'il fallait sevrer. C'était un crise de manque, ça? Donc on lui mettait des cachets dans la bouche. Et au bout d'une semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'une semaine, je pense que la menace de l'hôpital psychiatrique l'a fait réagir. Et quand elle a vu que on lui avait coupé Internet, on lui avait enlevé toutes ses affaires, elle restait dans sa chambre, le cloîtrait. On lui avait tout enlevé dans sa chambre parce qu'elle avait menacé 4 fois de se suicider. Ça va, Flora? Oui, j'écoute. Oui, et disons, je crois qu'elle est revenue un petit peu avec nous. Et je crois que l'amour qu'on a essayé de lui donner, étant donné qu'on était une famille très unie, l'a fait revenir petit à petit vers nous. Attention, maintenant, elle va s'en aller, c'est une grande fille, hein, qui a plus de 20 ans, vous le savez. Là, elle ira vers quelque chose de beau, je pense, pour elle. Alors, oui, Anne, justement, juste si vous permettez 2 secondes, je vais vous montrer un reportage et puis après, vous aurez largement la parole. Largement, pas toute la nuit, mais vous aurez la parole. Je vous promets quelque chose que je ne tiendrai pas. De la même manière qu'on ne fait pas une émission en disant « attention, danger pour tous les mouvements », la preuve, vous êtes invité, vous pouvez vous exprimer. De la même manière qu'on ne fait pas le contraire non plus, et contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que ça ferait une très bonne audience de dire « je m'éclate dans ma secte » comme thème d'émission. En tout cas, pour mieux comprendre et éviter les amalgames, c'est ce qu'on a voulu en préparant cette émission. Pourquoi certains choisissent de vivre en communauté alors qu'ils sont adultes? Pourquoi certains choisissent d'adopter des croyances qui ne sont pas celles qu'ils ont reçues par leurs parents? Parfois, ça peut choquer dans les familles. Nous avons voulu nous faire une idée avec le témoignage de Sylvie, je crois, de Martin et Sylvie exactement. Donc un couple qui a choisi une vie de prière et de méditation et dans une religion telle qu'on la connaît. Chacun se fera son idée, puis on les recevra ensuite sur ce plateau. C'est un reportage de Jean-René Chaperon. Il est 4h15 du matin, dans ce château des Ardennes, c'est l'heure des premières incantations Hare Krishna.
nous sommes dans une communauté d'une centaine de disciples, adorateurs du dieu Krishna. Il y a 2 ans, cet homme s'appelait encore Patrick et vivait en Camargue. Aujourd'hui, il est Bhatkya Patrick, un de ceux qu'ils appellent ici les renoncés. Pour lui, fini les plaisirs de la vie, c'est son dieu qui décide. Il fallait vraiment qu'il y ait Krishna pour pouvoir quitter tout ça. Grâce à Krishna, Bhatkya Patrick a enfin trouvé sa voie. Il a eu la révélation. J'avais entendu parler d'un zodiaque cosmique qui fait 25 000 ans, enfin, un truc qui est assez particulier. Ici, pour mener la vie de château, il faut se plier aux grands principes régulateurs. Participer aux prières 7 fois par jour, pas d'activité sexuelle en dehors du mariage, pas d'intoxicants, pas de jeux de hasard et pas de viande. Comme dans la religion hindouiste, leur repas doit tout d'abord être consommé par leur dieu avant d'être servi à table. Cette nourriture doit être offerte au Seigneur sur l'autel et ensuite, lorsqu'il a goûté la nourriture, seulement nous pouvons la consommer. Krishna a mangé, on mange les restes. À table, hommes et femmes mangent séparément, car les disciples masculins doivent éviter tout contact avec les dames. Pour Bhatkya Patrick, le renoncement le plus difficile à respecter. Renoncer, ça veut dire que je ne veux plus rien avoir avec les femmes. La difficulté, c'est qu'on a l'habitude de regarder une femme. Quand il y a une femme qui passe, on a l'habitude de la regarder. Alors, il y en a certaines, elles sont un peu déshabillées, alors ça pourrait donner des idées. Alors, on dit toujours qu'il faut regarder qu'une fois. Mais malgré tout, je dois dire que quelquefois, je ne regarde pas qu'une fois. Radadesh est une communauté ouverte sur le monde extérieur. Mais bien souvent, les familles des disciples ont du mal à accepter leur choix de vie. Mon entourage voit ça avec beaucoup de circonspection. Ils sont quand même très réticents. Il y avait plein de gens qui me disaient « c'est dangereux, c'est une secte, il ne faut pas aller là-bas ». Parce qu'il y a aussi le préjugé qu'on arrête les études, on quitte tout. Et moi, j'ai juste continué ma vie, j'ai fait mes études. Grâce à tous ces renoncements, Bhatkya Patrick et ses compagnons vivent en paix avec eux-mêmes, une paix intérieure qui les conduiront, ils en sont persuadés, au nirvana. Alors, nous avons accueilli Martin et Sylvie qui nous ont rejoints. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes tous les deux du même groupe, mais vous n'êtes pas un couple. Non, pas du tout. Non, vous êtes venus un binôme, disons. Je suis marié. Vous êtes marié par ailleurs. Oui. Par ailleurs. Vous aussi? Non. Mais... Ah non, non. Pas ensemble, je veux dire. Voilà. Voilà. Non, non, mais je suis pas là pour vous marier. Alors, vous êtes dans une communauté où on prie beaucoup, le midi, le soir, le matin, parfois le matin très tôt. Vous commencez à prier à partir de quelle heure? C'est-à-dire, dans la communauté, il y a très peu de gens qui habitent en communauté. Donc la plupart des membres, 95% de nos membres habitent chez soi. Donc ils gèrent eux-mêmes... 95% leur propre... Oui, ils gèrent eux-mêmes leur propre vie spirituelle, leur vie matérielle aussi. Et en ce qui vous concerne, vous? Moi, personnellement, je participe quand je peux, parce que j'ai beaucoup d'autres responsabilités, à part des responsabilités dans la communauté. Donc je voyage beaucoup, j'ai beaucoup de responsabilités à travers la... D'accord. Donc beaucoup de prières, un régime alimentaire assez strict, sans alcool, sans café, sans viande, sans œufs, sans oignons, j'en passe. Sans alcool, j'ai dit, oui. Pas le droit d'avoir de relations sexuelles? Hors mariage. Hors mariage, d'accord. C'est-à-dire que tout ce qui est, je dirais, excitant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jeu de hasard, etc. Parce que le principe, c'est qu'en fait, on est une âme et qu'on n'est pas ce corps matériel. Donc on est dans une spiritualité. Et on ne cherche pas tout ce qui est les sensations fortes. D'accord. C'est... Et les oignons, c'est excitant, excusez-moi. Bon, alors là, c'est autre chose. Ça aussi, parce que la nourriture, on ne mange que ce que mange Krishna. Donc, moi, je suis à un niveau spirituel où... Vous n'êtes pas marié, vous? Non. Donc, pas de relation sexuelle? Ah ben moi, non, mais ça fait... J'avais cherché le bon, je n'ai pas trouvé le bon. Donc, ça faisait déjà un moment. C'est pas d'accord. Une privation. Et Krishna, c'est le bon? Ben, je n'ai pas de relation sexuelle avec non, Krishna. Non, mais je veux dire, par là, c'est... je me doute bien. Toutes ces contraintes, ça ne fait pas un peu beaucoup? Est-ce que... Ce n'est pas des contraintes. Ce sont des règles? C'est des règles que chacun... Bon, en monde extérieur, hein, je fais partie des 95% qui ne vivent pas en communauté. Donc de l'immense majorité. Voilà, donc c'est un mode de vie. Chacun prend... Si vous voulez, quelqu'un qui se dit « le tabac, ça tue ben, », il fume quand même. Mais le jour où il arrête de fumer, il y a ceux qui reprennent et il y a ceux qui ne reprennent pas, qui ont le déclic et qui n'ont pas de frustration. D'accord. Donc moi, c'est un petit peu ce cas-là. Mais là, avec votre réponse, je me souviens plus de ma question. Là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et vous parlez de contraintes. Ah oui. Et en fait, ce n'est pas vraiment des contraintes. Et chacun s'en libère à son rythme.
Et en fait, chaque fois que vous avez... on en parle toujours comme une privation. Dans mon entourage, on en parle souvent comme une privation. Oui, ne pas manger des oignons parce que Krishna n'en mangeait pas, c'est dommage. Moi, j'aime bien les oignons, par exemple. Je ne vais pas polariser oui, sur les oignons. Que vous... Moi, j'ai appris à manger autre chose. Vous trouvez que ça fait beaucoup de contraintes, Anne, par exemple? Votre opinion de femme? Je trouve que c'est justement un bel exemple où on s'étonne, on dit « mon Dieu, les pauvres, et ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage ». Mais les prêtres, ils ne peuvent pas, ni avant, ni après, ni pendant, en avoir. Ouais. Donc c'est pire encore. D'accord. Et là, on ne dit pas « les pauvres », etc. Non, mais là le public réagit, pas. C'est parce qu'à chaque fois qu'on vous pose une question sur des... Mais oui, parce que... Pourquoi vous comparez toujours la religion? Parce qu'on a deux poids et deux mesures. Oui. Et donc, on juge les petits groupes de manière condescendante en disant « oh, mais celui-là, il est déguisé, le pauvre ». Le pape, il n'est pas déguisé, c'est normal. Avec tout le respect qu'on a pour chacun, évidemment. Hein. D'accord? Alors, eux, ils chantent 2000 fois par jour Hare Krishna, et on dit, mon Dieu, les pauvres, ils doivent être complètement abêtis. Je vous assure que ma grand-mère, elle avait un chapelet, et elle disait, cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous, cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Non, mais franchement, c'était je ne suis pas psy, mais vous avez quand même une bonne revanche familiale. Hein. C'était pas non plus pour développer l'esprit critique. D'accord. Et on a deux poids, deux mesures. D'accord. Dans un cas, on dit, mon Dieu, c'est abêtissant. On n'était pas en train de parler du mariage des prêtres ce soir, mais on arrive à tout. Et de l'autre côté, on dit, ben, c'est normal, c'est la religion. Non, je ne pense pas que le mariage des prêtres, tout le monde dise que c'est normal, que ce soit interdit, etc. Les avis sont partagés, et je pense que les opinions s'ouvrent. Un mot de Catherine Katz, puisque ce mouvement religieux auquel appartiennent Sylvie et Martin a été épinglé lors du rapport 2005 de la Miviludes. Vous pouvez nous dire pourquoi, Catherine? Alors, écoutez, c'est vrai qu'à une époque, ce mouvement qui est assez démonstratif, visible, ne serait-ce que par effectivement vos tenues au quotidien, ont pu, pour différentes raisons, susciter la vigilance. Surtout notamment sur l'influence qu'il pourrait avoir auprès des enfants, si j'ai bien compris. Exactement, par rapport aux enfants. Bon. Je vais vous surprendre, mais aujourd'hui, j'ai tendance, et je dis... que ce mouvement ne fait plus, à ma connaissance, parler en France. Et donc, en ce qui me concerne... Négativement. Et en ce qui me concerne, en tant que secrétaire général de la Miviludes... Oui, magistrate. Magistrate, je respecte profondément l'ensemble des mouvements, qu'ils soient religieux ou sectaires, à partir du moment où ils respectent les lois. Vous avez parfaitement le droit d'être, de vous habiller comme vous le souhaitez, de manger ce que vous le souhaitez, de vivre comme vous le souhaitez, si vous respectez les lois du pays d'accord. où vous êtes. Voilà. Vraiment, voilà donc, je vais vous surprendre, mais je suis d'accord. Épinglé en 2005 et aujourd'hui, franchement, respecté par une représentante de l'État en 2007. Voilà, d'une certaine manière, oui, on a le droit d'évoluer dans exactement. Le bon sens. Et si demain... la situation changeait, elle serait revue également. Alors concernant toutes ces autres... Oui, je vous en prie, Catherine. Je voulais juste poser une question, excusez-moi. Il n'y avait pas un moment donné où, au sein de votre groupe, les enfants étaient retirés des parents ou vivaient ailleurs dans d'autres communautés, non? Il n'y a pas eu une époque comme ça Alors, il y a quand même une chose là, c'est vraiment un coming out, c'est qu'on reconnaît qu'il y a eu des erreurs dans le mouvement. On n'est pas là en train de dire, par contre, ces erreurs sont contraires à notre philosophie. D'accord, donc ça n'existe plus. Alors, je ne sais pas, moi je viens d'arriver en 2000, je suis un ethnologue perdu sur son terrain, je suis venue comme il y en a des tas, et donc je suis... Oui, mais bon, je n'habite pas en communauté, etc., et je suis venue après toutes ces questions. Il y a 7 ans, il n'y avait pas d'enfants retirés de leur famille. Donc d'après ce que dit l'autre Catherine, visiblement, aujourd'hui, d'après la surveillance vigilante que fait l'État à travers vos services, on ne parle plus d'un mouvement dangereux. Ce qui n'enlève à rien, évidemment, à tout ce que vous avez vécu, toutes les expériences que vous nous avez racontées ce soir, vous, Catherine en particulier, mais tous les autres aussi. Et nous allons passer maintenant à la conclusion de notre invité de ce soir. Je vous en prie. Moi, une chose qui me frappe, c'est que ce n'est pas seulement le respect des lois qui est important dans cette affaire. Ça, moi, je m'étonne évidemment que la plupart des sectes, elles ne violent pas la loi, elles violent peut-être d'autres gens, mais elles ne violent pas la loi au sens propre du terme. Mais ce qui est très grave, c'est que dans tous les cas qui ont été évoqués ce soir, et dans bien d'autres cas encore beaucoup plus graves, on assiste toujours à la même situation. C'est-à-dire des gens fragiles, ou en situation de faiblesse, qui en arrivent à être dans l'impossibilité de penser par eux-mêmes, et qui pensent comme on le leur indique.
Et la plupart du temps, c'est motivé par trois grandes raisons, c'est-à-dire l'argent. Vous prendre votre argent, quoi, hein, pour dire franchement. Leur piquer leur pognon. Voilà. Le sexe et le pouvoir, c'est-à-dire les trois grands moteurs de notre société, que, comme par hasard, on retrouve au carrefour de tous les mouvements sectaires. Donc, et quand on en veut à votre liberté de penser, quand on en veut à votre pognon, comme vous disiez, ou quand on en veut à votre sexe, il faut commencer à se méfier, c'est ce que vous dites, Yves ? Il faut toujours se méfier, justement, de ne pas se laisser manipuler. Parce que ça peut devenir beaucoup plus grave. Je pense, par exemple, à l'ordre du Temple solaire, où il y a eu quand même 77 personnes assassinées. Ça en fait, vraisemblablement, la plus grande affaire criminelle qui se soit jamais déroulée en France. Bon, alors, au début, on disait, comme madame le dit avec beaucoup d'innocence, « Oh, mais c'est un petit mouvement, ils ne sont pas méchants, ils veulent aller sur Sirius. Bon, qu'ils aillent sur Sirius si ça les amuse. » Non, c'est beaucoup plus grave que ça. On a assassiné, puisqu'on sait maintenant que c'était des meurtres et non pas des suicides, on a assassiné 77 personnes. Pourquoi ? Non pas en fonction de théories fumeuses d'aller vivre une vie meilleure sur Sirius dans des soucoupes volantes, mais simplement parce que M. Luc Jouret et M. Jody Mambo ont... voler leur argent à des personnes qui souvent étaient riches, bien que fragiles, et ensuite les ont assassinées parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il y en a qui courent toujours. Les sectes, hein. Ça peut aussi être ça. Ou la secte de Waco, la secte de Guyana ont déclenché quand même des tragédies très... Je ne vois pas comment on peut les justifier. Mais c'est peu de morts. Et quant à toutes celles qu'on a évoquées ce soir, alors il y a celle de Catherine, évidemment, vous avez entendu ce qu'elle a subi, mais toutes les autres aussi, vous les avez trouvées légères, enfin je veux dire, indignes qu'on n'ait pas vraiment de raison de s'en plaindre de leur existence Pas du tout, non, je pense. Non, j'ai vu prendre beaucoup de notes, il faut dans l'émission. Au niveau de chaque personne, ce sont des tragédies qui ont été évoquées. Au niveau du destin individuel de chaque personne. Simplement, quand c'est une secte qui est composée d'un groupe de 4 ou 5 personnes, effectivement, on peut être amené à une certaine indulgence en se disant, bon, s'ils veulent vivre comme ça, c'est leur problème. Mais on s'aperçoit quand même toujours que même dans ces cas-là, il y a la perte de la liberté individuelle, la perte du libre arbitre. Et on assiste à des gens qui sont tout d'un coup conduits à penser suivant une opinion, une pensée qui leur est imposée. Voilà, qui n'est pas liée et, directement et à leur pensée. Qui n'est pas leur libre arbitre. Voilà, qui perdent leur discernement. On doit donc à Yves Boisset, évidemment, ce document sur l'ordre du Temple solaire. On lui doit également beaucoup de films qui nous ont marqués. À chaque fois, vous vous êtes battu pour faire passer aussi, je pense, des messages à travers vos films, même s'ils sont de grands divertissements. On pense à Dupont-la-Joie, au Juge Fayard. Et vous préparez actuellement un film sur Roger Salengro. Oui, l'un des grands oubliés de l'histoire, parce que tout le monde connaît un boulevard ou une avenue Roger Salengro, mais même les gens qui habitent boulevard ou avenue Roger Salengro seraient en général bien en peine d'expliquer qui c'était. Et c'est un ministre du Front populaire de Léon Blum en 1936 qui a été amené à se suicider à la suite d'une effroyable campagne de calomnies, de mensonges et de dénigrements. À l'époque où la presse se privait pas de faire de l'appel au meurtre dans ces années-là. Merci Yves de nous avoir apporté votre témoignage. Je remercie tous nos invités, tous ceux qui ont eu la parole ce soir, qui nous ont apporté leur témoignage, tous. Bonne chance pour votre combat judiciaire, madame, et à bientôt, si vous voulez bien. Vous aimez une personne dangereuse, meurtrier, trafiquant, mythomane, pervers. Vous avez vécu une liaison secrète avec un membre de votre famille qui vous a mis en danger. Vous ne comprenez pas que l'on puisse aimer un homme dangereux. Vous êtes devenu hors la loi par amour. Contactez-nous au 01 53 84 30 55 ou par email.